I'm here for you. I take care of you. I give you the things you desire. Things you enjoy. But above all, things you need to live. It really wasn't all that easy in the beginning. But I've always moved with the times and got better. From hard manual labor to steam power, then to electricity and automation. Now, I'm standing on a solid foundation. Yet I can't rest on it. I have to keep adapting. So I'm changing even further. I am becoming digital. I create images of myself in the virtual world. With these digital twins, I try out things and optimize myself before becoming real. I gather volumes of data to see how I can make myself even better. I am industry. And I want to get smarter, more flexible, more productive, more efficient, more secure, and far more personalized. But nobody can do it alone. I rely on a strong partnership between technology providers, suppliers, and users. I need people who understand exactly how I function, who exploit previously unimaginable potential with cutting-edge technologies. People who will accompany me on the path to the digital future. Siemens, ingenuity for life. On est où? Vous faites un coup. Bonjour à tous et bienvenue au Siemens Education Day. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. En plus, vous avez répondu en nombre. On est plus de 250 aujourd'hui pour écouter cette première édition. Un vrai grand merci d'ores et déjà. Pour animer cette première partie de journée, j'ai le plaisir d'être accompagnée de l'IS. Bonjour l'IS, comment vas-tu ? Bonjour Anne, ben, ça va très bien. Et la question qu'on se posait justement, c'est comment allez-vous, vous, derrière votre écran ? Pour répondre à cette question, je vous invite à nous rejoindre sur le Slido en scannant le QR code ou en rentrant le code que vous voyez affiché à l'écran sur slido.com. Les informations du Slido seront présentes tout au long de la présentation en bas de votre écran. On sera également on aura des questions, un ensemble de questions qu'on vous fournira sur ce Slido. Vous pourrez répondre à différents sondages et interagir avec nous tout au long de la journée. N'hésitez pas, c'est vraiment un outil pour rendre interactif cette première partie de matinée. Écoutez, voilà, on y est. Après des mois de préparation, on voulait vous concocter le meilleur des événements. Et donc, notre but aujourd'hui, c'est de renforcer le lien entre industriel et monde académique. Effectivement, on vit une double transformation. L'industrie vit un moment charnière. Et cette double transformation, elle est là sur deux aspects essentiels. D'une part, une transformation numérique, on en parle depuis plusieurs années déjà, la transformation de l'usine avec les nouvelles technologies, que ce soit le cloud, la 5G, maintenant l'analyse des données, tous ces éléments transforment les ateliers, transforment la manière de travailler et font que l'industrie n'est plus ce qu'elle était ou l'image qu'on en a encore. L'autre transformation, c'est finalement la transformation qui est absolument indispensable, c'est la transformation environnementale. L'urgence climatique nous demande, nous oblige à transformer nos modèles, à changer la manière dont on produit, à changer la manière dont on exploite les denrées rares de la Terre. Et donc, tous ces éléments-là concourent forcément à faire évoluer les compétences.
les personnes qui vont rentrer dans l'industrie et qui y sont déjà doivent évoluer. Les savoir-faire forcément vont changer et donc ces éléments-là concourent à modifier, transformer les compétences nécessaires. Et finalement, qui mieux que vous, vous qui êtes derrière votre écran aujourd'hui, enseignant, formateur, directeur de programme, vous avez la main sur ces formations, sur la manière de former, sur les savoir-faire à enseigner. Tous ces éléments-là, c'est vous qui les avez. Et finalement, c'est pour ça que j'ai décidé de créer Siemens Education Day. C'est pour faire le lien entre industriel et monde académique. Et finalement, qui est-ce qui est mieux placé que Siemens pour pouvoir vous présenter tous ces enjeux? Nous avons des usines, que ce soit en France et à l'international. Nous avons des clients que nous côtoyons au jour le jour, dont nous connaissons les enjeux, qu'ils soient de production, les problématiques liées à l'emploi, au recrutement, aux compétences. Tous ces éléments-là, nous, Siemens, nous les maîtrisons. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, on a décidé de faire Siemens Education Day, non seulement pour vous parler de nous, mais aussi pour parler de nos clients. Et grâce à ça, on a réussi à convier avec nous pour cette journée des invités et des speakers d'exception qui vont nous témoigner pour chacun, lors de cet agenda, des keynotes, les enjeux de l'industrie, aussi une table ronde pour parler des compétences, les besoins en termes de compétences, aussi l'attractivité de notre filière. C'est vraiment important d'attirer les talents à nous. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas parler de compétences sans parler de technologie. Et donc, il est important d'avancer sur ces sujets-là. Ça, c'est pour la première partie de journée, pour l'après-midi, l'IS. Oui, Anne, tout à fait. Après cette matinée, donc riche en contenu, vous pourrez suivre les parcours que vous vous êtes faits lors de votre inscription parmi un choix de 35 ateliers différents. Ces ateliers vont du niveau Bac Pro jusqu'au niveau Bac Plus 5. Et ils abordent un large panel de thèmes pour intéresser tous les types de cursus. N'hésitez pas à nous solliciter si vous n'avez toujours pas reçu vos liens afin que nous puissions vous les adresser avant l'après-midi. On tenait également à remercier bien sûr nos partenaires qui ont cru en nous, qui ont cru au Siemens Education Day et qui nous suivent dans cet événement et qui vous présenteront l'ensemble de leurs solutions cet après-midi. On a tout dit ? Oui, je pense qu'on a tout dit et on peut rentrer de plein pied dans cette journée, ce Siemens Education Day. Eh bien écoutez, effectivement, merci à tous de nous suivre. Nous vous souhaitons un très très bel événement. Bonjour à tous et merci Saosen et Gilles d'être là avec nous. Vous pouvez vous présenter peut-être ? Donc, je suis Gilles Beyvert, je suis responsable du marketing stratégique pour Siemens Digital Industries. Bonjour Anne, bonjour Gilles, Saosen Ayari-Pouliquin, je travaille à l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, et je représente également aujourd'hui l'Observatoire paritaire des métiers de la métallurgie. On a également Olivier Guénon en Teams, bonjour Olivier. Bonjour, Olivier Guénon, donc je suis le délégué général de WorkSkills France qui organise la compétition mondiale des métiers. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois de nous rejoindre sur cette première keynote donc, où on va parler des enjeux de l'industrie. Donc, on a vu donc, une industrie aujourd'hui très forte avec 90 000 entreprises, dont 90% de PME-TPE. 3,2 millions de salariés, 11% du PIB français. On a beaucoup d'actions sur l'industrie en ce moment, en cours. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vision, finalement, de ce qu'il est en train de se passer dans notre territoire, dans notre secteur d'activité ? Bien sûr, Anne. Tout à fait. Donc, le redressement de l'activité industrielle a été, on peut le dire, spectaculaire hein, cette année, 2021. Les premières projections effectivement nous donnent des indications convergentes, hein, que ce soit au niveau des carnets de commandes qui sont revenus depuis quelques mois au niveau de l'année 2019, la production industrielle qui a progressé 7% cette année, en tout cas ce sont
les projections du Xerfi et qui devrait encore progresser de 5% les prochaines pour revenir, là encore, quasiment au niveau de 2019. Le climat des affaires, très important, effectivement, pour déclencher les investissements, est au beau fixe. Hein. On est revenu même antérieurement à 2019 au niveau 2018, qui était une période, on va dire, très optimiste hein, pour l'industrie. Donc, ce sont d'excellents signes et qui se confirment par les investissements réalisés cette année, hein, puisqu'on pense effectivement, on estime une progression de 10% des investissements en 2021 et on pense retrouver le niveau d'investissement de 2019 dès 2022. Voilà, donc ce sont des signes très positifs, encourageants et qui devraient même se poursuivre, dont l'effet devrait se poursuivre au-delà de 2022. Très bien. Et en termes d'emploi, finalement, Saocen ? En termes d'emploi, je reviendrai sans doute sur la séquence qu'on a tous vécue durant cette dernière année et demie, parce que c'est effectivement un enjeu crucial, le recrutement dans le secteur industriel. Et si je reviens à plus d'un an et demi, c'est que en juin dernier, lorsqu'on sortait tous du premier confinement, on a mené une étude avec le cabinet Price pour évaluer l'impact de ce choc brutal qu'on a tous vécu, un choc d'arrêt total de la production, ce qui était inédit, et en voir les conséquences. Et les conséquences étaient alors potentiellement assez dramatiques pour la France, puisqu'on en pouvait entrevoir un décrochage de tout le secteur industriel. Et lorsqu'on parle de cette manière-là, c'est important de s'en souvenir pour non pas se lamenter, mais pour avancer et ne pas oublier également que les difficultés passées dans l'industrie restent des défis à relever collectivement. Et donc en juin dernier, on estimait que plus de 310 000 emplois étaient alors directement menacés ou qui seraient non créés. Un an plus tard, vous l'entendez tous les jours, on parle de pénurie de recrutement et encore lundi dernier, le gouvernement a annoncé un plan dont le nom n'est absolument pas communicant, mais qui est clair, qui est un plan de réduction des tensions de recrutement. Parce que tous les secteurs économiques connaissent ces tensions. Le secteur industriel a ses spécificités. Et aujourd'hui, cette tension sur le marché du secteur industriel tient à des spécificités en lien avec la formation et l'attractivité de notre industrie. Très bien. On a entendu parler de beaucoup d'actions. Est-ce que vous pouvez nous les détailler tous les deux ? Alors, sur effectivement les mesures gouvernementales qui vont avoir un effet au-delà de 2022, comme on l'indiquait tout à l'heure, on a le plan de relance hein, avec 10 milliards d'investissements qui sont aujourd'hui cofinancés par le gouvernement, donc avec le programme France Relance. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que, en fait, dans ces investissements, trois quarts pratiquement des entreprises sont des PME ou des ETI. Donc, c'est extrêmement encourageant, effectivement, de voir les PME et ETI aujourd'hui reprendre, on va dire, des investissements, investir dans l'avenir et notamment dans la transformation digitale pour lesquelles, effectivement, la France était un peu en retard par rapport à certains de nos voisins. Pas seulement l'Allemagne, on était aussi en retard par rapport à l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Et donc, c'est encourageant de voir aujourd'hui la prise de conscience des PME et ETI et investir dans l'avenir reste effectivement à accompagner avec les compétences, les skills qui vont permettre effectivement d'accompagner cette transformation. Très bien. Et en termes d'emploi, finalement, Saocen, il y a eu des actions également, me semble-t-il. Effectivement, en termes d'emploi, les actions d'urgence ont été mises en place et tout le monde a reconnu l'importance du chômage partiel dans la période qu'on vient de traverser. Aujourd'hui, on en sort et c'est des mesures du plan de relance qui vont vers l'avenir et vers l'avenir de l'industrie. Il y a énormément de mesures qu'on ne va pas citer aujourd'hui, mais en faveur de l'apprentissage, en faveur du recrutement des jeunes, en faveur des territoires plus reculés pour que les jeunes puissent à la fois se former, mais également trouver leur premier emploi. Donc je pense que
Je vous invite tous à aller voir les mesures spécifiques qui peuvent tous vous concerner, enseignants ou jeunes, autour du plan Un jeune, une solution. Et je porte une attention toute particulière sur une des mesures qui est autour du mentorat qu'on soutient au niveau des entreprises industrielles. Aujourd'hui, le collectif Mentorat a 30 000 mentors qui sont prêts à accompagner des jeunes dans leur premier emploi ou pour tout simplement répondre à leurs difficultés du quotidien. Et aujourd'hui, on se mobilise tous pour arriver à plus de 100 000 mentors qui seront présents aux côtés des jeunes et à accompagner ces transformations. Très bien, merci pour toutes ces informations. J'ai parlé dans mon introduction de décarbonation d'une part, de transformation numérique d'autre part. Est-ce que vous pouvez détailler chacun peut-être sur ces aspects-là ? C'est vrai que c'est important pour notre public qui nous écoute d'avoir plus d'informations. Gilles, peut-être ? Alors effectivement, on parlait de transformation digitale tout à l'heure. C'est un enjeu clairement stratégique, hein, on en a parlé. C'est un enjeu pour toutes les entreprises. C'est un enjeu pour la relocalisation de certaines productions. C'est un enjeu de compétitivité. Et donc, effectivement, on va devoir accompagner les entreprises sur cette transformation. Nous tous, tout l'écosystème, on va dire, industriel. Hein, donc, vous, enseignants, nous, fournisseurs de solutions industrielles, et puis les partenaires, effectivement, de l'écosystème industriel, tous avons un rôle très important pour l'accompagnement. Donc, effectivement, on a des cas d'usage multiples. Hein, on le verra dans la journée. Il y a de multiples ateliers sur la transformation digitale, que ce soit autour des jumeaux numériques, hein, pour les produits, pour les machines, les lignes de production, les systèmes, les outils d'analyse des données de production, qui permettent de faire de la maintenance préventive, voire même proactive. Donc il y a de multiples facettes dans la transformation digitale pour l'industrie que l'on doit accompagner. Et effectivement, c'est le fil rouge, hein, la transformation digitale, des investissements pour les années à venir. On a sondé, entre guillemets, les dirigeants de PME et ETI, en étude, on va dire, conjointement, demandé entre Siemens et Orange auprès de l'IFOP. Et les résultats de cette étude montrent effectivement une appétence des dirigeants PME-ETI pour la transformation digitale. Par contre, voilà, on voit que seulement la moitié à ce jour ont une feuille de route et un quart, on va dire, ont des projets d'investissement concrets autour de la transformation digitale. Et en fait, le plus intéressant, c'est de constater que les freins ne sont pas forcément là où on pense qu'ils sont. Les freins ne sont pas en premier lieu des freins financiers, mais avant tout des freins humains, hein, c'est-à-dire la nécessité d'accompagnement au changement au sein de l'entreprise, la formation, l'information au sein de l'entreprise. Et c'est là tout l'enjeu, effectivement, que l'on doit adresser avec vous. Merci, Gilles. Au niveau de la décarbonation, peut-être que vous pouvez toucher deux mots, Saoussen ? Effectivement, la décarbonation est un terme qui émerge et au niveau de l'Observatoire paritaire des métiers de la métallurgie, cette année, on a inscrit la décarbonation comme un des quatre défis majeurs qui attendaient les entreprises industrielles et les salariés, in fine, et qu'on souhaite adresser de manière plus massive en termes de prospective sur les études, mais également plus concrètement sur l'adaptation de l'offre de formation initiale et continue. Lorsqu'on parle de décarbonation, on parle de transition écologique au sens large. Les défis sont là, on les a rappelés en introduction. Au niveau de la décarbonation, c'est un enjeu particulièrement pressant pour les entreprises industrielles, notamment pour le secteur des secteurs plus particuliers comme la filière automobile, puisque la réglementation européenne impose désormais une stratégie bas carbone. C'est une attente de la société, c'est une attente des salariés, c'est une réponse que les entreprises industrielles apportent, soit dans leur quotidien avec leurs salariés, mais également pour attirer des jeunes talents. Et aujourd'hui, on croit profondément
aux nouvelles technologies qui vont être plus économes, qui sont pensées pour être plus sobres. Et on pousse à ce que dans l'enseignement également, toutes ces notions puissent transparaître, que l'éco-conception soit appréhendée et que de nouvelles filières industrielles émergent. Très bien, merci pour ça. Alors, on a entendu compétences, on a entendu emploi. Finalement, aujourd'hui, on a Olivier avec nous, qui nous entend. Vous avez un très bel outil pour ça, non ? Pour attirer les jeunes, finalement. Je crois qu'on a un excellent outil. Je voulais d'abord vous saluer toutes et tous. Remercier aussi Siemens d'avoir organisé cette journée. Je crois que c'est extrêmement important que le monde de l'entreprise, de l'éducation puisse parler et échanger sur les enjeux qui sont face à nous. Alors, comme je crois qu'un petit film, c'est toujours plus efficace qu'un long discours, je vous propose de regarder quelques images de ce qu'est WorkSkills. Des belles images, en effet, pardon. Oui, de belles images. Alors, peut-être pour expliquer un peu mieux ce qu'on fait exactement, c'est-à-dire que la compétition WorkSkills, c'est la seule compétition de métiers qui réunit sur un site unique pendant 3 jours, 65 métiers à peu près, avec une dizaine de participants à chaque fois. Donc, c'est ouvert au moins de 23 ans ou au moins de 26 ans selon les métiers. Ça a lieu tous les 2 ans. Et ça présente plusieurs étapes. Une première sélection régionale, ça va nous permettre de déterminer le meilleur dans chaque métier au niveau de chaque région. Il y a une finale nationale qui a lieu, cette année, ce sera à Lyon du 13 au 15 janvier sur le parc Eurexpo. Et là, vous avez les 65 métiers avec chacun 10 compétiteurs ou 13 compétiteurs qui font 3 jours de compétition. Et à l'issue de cette finale nationale, on a ce que vous avez vu là, c'est-à-dire l'équipe de France des métiers, cette équipe de France des métiers qui va aller se confronter soit au niveau européen dans les Euroskills, soit au niveau mondial dans les Worldskills, avec, donc au niveau des Worldskills, c'est 85 pays en compétition, chacun amenant ses compétiteurs dans les métiers. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est effectivement une grosse machine, j'allais dire, et une compétition extrêmement importante. Alors, pourquoi c'est important pour l'industrie ? Parce que c'est un peu ce qui nous occupe aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a un très bel outil pour l'industrie sur plusieurs aspects. D'abord, on est un fabuleux outil d'orientation des jeunes ou des moins jeunes ou des gens qui veulent se reconvertir. Parce que quand vous visitez une compétition WorkSkills, vous avez pendant 3 jours des métiers en situation réelle. C'est-à-dire que c'est pas de la plaquette, c'est pas du film, c'est vous avez des jeunes, une dizaine de jeunes qui font des compétitions, qui font leur métier sous vos yeux, et vous voyez évoluer les métiers, ça vous permet vraiment de toucher le métier. Or, aujourd'hui, on sait bien qu'on a des métiers que, j'allais dire, on voit partout à la télé, hein, je pense aux compétitions de cuisine, de gâteaux, etc., de pâtisserie. Ça, il y a déjà des métiers qui sont visibles pour les jeunes. Il y a des métiers qu'on voit dans la rue, hein, je pense aux métiers du BTP, etc. Les métiers de l'industrie sont des métiers qu'on ne voit jamais parce qu'ils restent dans l'usine. Et nous, on permet de sortir ces métiers de l'usine et de les montrer au grand public, ce qui, à ma connaissance, est assez unique. C'est-à-dire, si vous voulez montrer ce qu'est du fraisage, du tournage, de la chaudronnerie, ben vous aurez sur les compétitions WorkSkills les métiers qui se font. Et c'est là où les gens peuvent déconstruire aussi certaines a priori. C'est-à-dire, ils voient que
Oui, c'est beaucoup de programmation, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est propre, c'est pas, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas des choses comme ça. Et ça permet effectivement de vraiment montrer la réalité des métiers. Ça, c'est un premier point. Je pense que dans le monde industriel, c'est un peu ce qui aujourd'hui dessert le recrutement, c'est-à-dire que ce sont des métiers dont on parle, mais qu'on a du mal à voir parce que bah, les industriels n'ouvrent pas leurs usines, ce qui est assez normal au sens où ce sont des lieux de production. Donc, avoir une occasion de montrer le métier dans sa réalité, c'est assez unique. Deuxième idée que je voulais développer, c'est qu'effectivement, participer au WorkSkills pour un centre de formation, par exemple, c'est aussi s'intégrer dans une dynamique vers l'excellence. Et ça permet de se reposer des questions, de se confronter avec ce que font les autres centres de formation dans votre même métier. Et c'est une expérience extrêmement riche pour les formateurs et les centres de formation. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on essaye de travailler en commun avec des industriels, avec des organisations professionnelles, avec des centres de formation. Et ça donne tout un écosystème qui permet de faire progresser, ou en tout cas de faire évoluer nos méthodes aussi d'éducation et de toucher les jeunes. La troisième idée, et j'essaye d'aller assez vite parce que je sais qu'on a assez peu de temps, c'est que je crois que WorkSkills aujourd'hui, ce n'est pas juste une compétition. C'est-à-dire que là, vous avez vu les belles images, c'est la compétition. Mais avant, il y a toute une préparation des compétiteurs, il y a tout un encadrement, on a beaucoup de bénévoles, d'experts bénévoles qui accompagnent les jeunes. Et c'est quelque chose qui apporte aux jeunes à la fois un savoir-faire technique, d'être vraiment compétent dans son métier, mais aussi un savoir-être, une attitude, une gestion du stress, une gestion de l'environnement, de savoir effectivement parler en public. On essaye d'être très, très global. Et j'ai tendance à dire que ça permet de montrer que même sur des métiers qui ont parfois mauvaise réputation, qui étaient considérés jusqu'à présent comme des voies de garage, WorkSkills, c'est un ascenseur social. C'est-à-dire que quelqu'un, champion WorkSkills, qui gagne ou pas des médailles au niveau international, j'allais dire même qu'il aille ou pas au niveau de l'équipe de France, mais déjà être champion régional, c'est avoir une carrière différente, c'est de voir des portes ouvrir parce qu'on aura eu une expérience différente, on se sera ouvert à d'autres aspects. Et c'est extrêmement intéressant de voir nos jeunes compétiteurs, parce qu'on a 70 ans, donc on a un recul sur ce qu'ils sont devenus. Et de voir c'est que ça a été effectivement un boost et une ouverture pour eux sur énormément de possibilités qu'ils n'imaginaient pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous semble. Oula, on n'a plus de son. On n'a plus de son. Bon. Des valeurs qu'on essaye de transmettre, qui nous animent beaucoup, qui sont l'intégrité, la transparence, le respect des compétiteurs et des autres, le partage, la transmission et l'innovation. Ce sont les valeurs cœur de WorkSkills. Et là aussi, je pense que c'est des valeurs qu'il est important de remettre en avant, de pouvoir en parler et de pouvoir montrer que nos métiers, tous les métiers de l'industrie, mais aussi du bâtiment ou de métiers de bouche ou l'art floral, etc., sont des métiers qui ont ces valeurs, qui portent ces valeurs. Je crois qu'aujourd'hui, on doit parler de plus en plus de valeurs vis-à-vis des jeunes. Pardon, je vous fais... Merci beaucoup, Olivier, pour tout ce témoignage. Donc, on voit qu'effectivement, on a deux très beaux outils à disposition avec les WorkSkills. On va rappeler les dates. On a Lyon 2024, où on va accueillir la compétition mondiale. Donc là Absolument. Aussi, beaucoup, beaucoup de jeunes et puis aussi des délégations du monde entier qui vont nous rejoindre. Donc, c'est vraiment l'occasion de montrer notre savoir-faire à ces moments-là. Alors, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir été là, d'avoir témoigné sur les enjeux de l'industrie. J'espère que ça vous a intéressé, vous qui êtes derrière votre écran. Un grand merci à vous tous. Et puis, on va enchaîner sur la seconde partie où on va présenter rapidement Siemens. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Eh bien voilà, on est parti pour maintenant présenter Siemens. Alors, je n'ai pas changé d'interlocuteur. J'ai la chance de garder Gilles avec moi. Écoute, Gilles,
Re-bonjour. Bonjour Anne. Voilà, donc là tu vas intervenir donc, pour présenter Siemens. Siemens, c'est très large. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se présenter finalement? Oui, je pense qu'effectivement, Siemens articule ses activités autour des grands enjeux mondiaux. Hein. Effectivement, autour de l'environnement, l'énergie, la sécurité. Donc voilà, on a une partie importante des activités sur la production, autour de la production d'énergie, transport de l'énergie. Et également, efficacité énergétique des bâtiments, sécurité des bâtiments et l'industrie, pour effectivement, on vient d'en parler, accompagner les industriels dans leur transformation. Donc voilà, on est au cœur, on va dire, des défis, que ce soit la digitalisation, on a parlé un petit peu, on en reparlera beaucoup dans la journée, le climat, la démographie, la mondialisation. Donc avec les impacts aussi en termes de compétition, compétitivité pour l'industrie, c'est très important. Et puis donc l'urbanisation avec la nécessité aujourd'hui d'avoir une urbanisation, on va dire, intelligente, hein, avec des smart buildings, avec une efficacité énergétique, un bilan zéro carbone. Hein, c'est l'objectif aujourd'hui pour nos bâtiments intelligents. Voilà, et donc je vais avoir le plaisir de vous présenter Antoine Garibal, qui est le directeur de la stratégie et du développement durable chez Siemens, qui dans une petite passive vidéo va vous présenter, on va dire, le rôle de Siemens dans le développement durable et l'impact que Siemens veut effectivement donner pour accompagner le développement durable dans tout l'écosystème on va dire industriel au sens large, y compris l'énergie et les activités bâtiments. Oui, le développement durable va littéralement changer la donne pour les industries en France, en Europe et dans le monde. Depuis deux siècles, les industriels avaient l'habitude de se comparer sur des questions de performance technique, de caractéristiques techniques des produits, de qualité, de coût à l'achat, mais également tout au long du cycle de vie, de délai d'approvisionnement, de capacité à maintenir, à faire évoluer ces produits. Tout cela était bien intégré dans les stratégies industrielles. Désormais, avec le développement durable, nous sommes tous responsables des externalités que nous générons tout au long de nos processus. En somme, un nouveau champ de performance, de compétitivité s'ouvre à nous, sur lesquels nous allons devoir montrer au marché, montrer à nos clients, à nos partenaires et également aux territoires dans lesquels nous opérons, que nos solutions, que nos produits sont les meilleurs. Les conséquences sont nombreuses et très concrètes. Depuis des années, les sites industriels ont l'habitude de reporter, de rendre des comptes vis-à-vis des exigences environnementales, les consommations de fluides, de utilities, les émissions de différents gaz tels que le CO2. Tout cela s'accélère et va plus loin. Chaque site, chaque atelier a lancé une démarche d'optimisation pour trouver des nouveaux procédés, pour ajuster les activités, pour être plus performant sur ces critères. En amont, la conception des produits également se transforme. Et dès les origines, il faut intégrer des cycles de vie plus longs, un réusage des produits en économie circulaire, etc. Tout au long des filières industrielles, les échanges se multiplient. Les meilleures optimisations seront sans doute le résultat non seulement de meilleures performances sur chacun des maillons, mais également dans une meilleure interaction tout au long de la chaîne. Vous voyez que les conséquences opérationnelles, organisationnelles vont être nombreuses. Nous re-questionnons des processus industriels avec de multiples voyages de pièces au long du cycle de manufacturing, entre l'Europe, entre la Chine, l'Asie, les États-Unis. Tout cela va être repensé au prisme de la performance environnementale de l'activité. L'innovation est également partie prenante dans cette nouvelle aventure et de nouvelles filières, de nouveaux développements sont en cours.
Vous avez bien entendu en tête l'hydrogène, des nouveaux défis posés à des domaines industriels entiers, l'automobile, bien entendu, vers l'électrification des flottes, l'aéronautique avec des motorisations plus vertes. Tout cela impose de repenser littéralement, tous ensemble, notre façon de travailler. Alors, dans cet environnement, il est clair que nous avons besoin de travailler avec les écoles, avec les instituts, les formateurs, les enseignants, puisque nous n'avons pas toutes les solutions aujourd'hui. Toutes les cartes ne sont pas encore sur la table. Aussi, tous ensemble, et au travers d'initiatives telles que celles que nous vivons aujourd'hui, nous voulons nous améliorer et redonner des chances également à des territoires qui ont malheureusement connu une désindustrialisation au fil du temps. C'est donc une très bonne opportunité, non seulement pour les jeunes aujourd'hui qui vont arriver sur le marché du travail, mais également collectivement pour la France et pour l'Europe, pour retrouver un chemin de réindustrialisation. Beaucoup d'outils vont être nécessaires pour parvenir à nos fins sur ce défi du développement durable. Je voudrais juste insister peut-être sur l'importance des données. Nous, chez Siemens, nous sommes convaincus que les données vont faire la différence pour identifier les gisements d'amélioration et d'optimisation en termes de décarbonation et d'efficacité énergétique. Il faut des données, il faut mesurer pour pouvoir optimiser. Il faut également partager ces données tout au long des filières, puisque les solutions sont détenues par chaque acteur, mais sont largement aussi l'objet d'une concertation en filière. Il faut échanger donc ces données. Il faut également des outils de simulation pour tirer parti de ces données sans arrêter les processus industriels qui tournent. Et donc, pour mettre au point de nouvelles solutions, nous allons avoir besoin d'outils de conception et de simulation. En résumé, j'ai touché à beaucoup d'aspects du jumeau numérique. Nous sommes convaincus que cette maquette dynamique qui permet de simuler et de suivre en temps réel le cycle de vie d'un produit, d'un procédé, d'une usine, va être largement mobilisée et va faire la différence. Et nous avons intégré toutes les dimensions du développement durable à l'intérieur de nos maquettes pour permettre à chaque industriel d'optimiser non seulement sa conception, ses coûts, ses délais, mais également son empreinte durable. Alors en conclusion, le développement durable, c'est une urgence environnementale pour chacun d'entre nous et pour toutes nos entreprises. C'est un nouveau champ de compétitivité qui s'ouvre à nous et dans lequel nous voulons exceller. C'est une formidable aspiration pour l'innovation, pour les ruptures technologiques. C'est une chance peut-être inouïe également pour nos territoires, pour la France, pour l'Europe, sur un chemin de réindustrialisation, en particulier vis-à-vis de l'Asie. Cela consacre l'importance des données qui vont faire la différence. Et peut-être surtout, aujourd'hui, c'est pour vous une histoire de talent. Et nous allons avoir besoin vraiment de beaucoup de jeunes motivés pour aller travailler sur toutes ces problématiques dans les usines, en France, en Europe et dans le monde, et dans les laboratoires. Voilà, on a tous besoin de travailler collectivement sur ce défi. Merci encore de votre aide et merci de votre attention. Nous remercions Antoine pour cette intervention. Donc pour conclure, peut-être Gilles, un mot ou deux. Oui, effectivement, donc l'attention de Siemens pour le développement durable et doit être élargie à l'industrie en général, puisqu'on travaille en écosystème et vous faites, les enseignants, partie de notre écosystème. Donc tous ensemble, effectivement, nous devons construire collectivement un monde meilleur. Et l'industrie aujourd'hui, ce n'est plus la graisse et les copeaux d'antan. Voilà, ce sont des solutions innovantes qui vont résoudre, ou qui vont en tout cas s'atteler à résoudre, les défis mondiaux, le climat, la sécurité, l'efficacité énergétique. Donc tous ensemble, effectivement, nous serons acteurs du développement durable. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces informations. Merci encore une fois à Antoine. On va passer à la séquence suivante où on va encore parler compétences, emploi, avec une table ronde exceptionnelle.
tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai donc le plaisir de vous accueillir tous les cinq. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter chacun ou je vais vous laisser faire. Allez, je vous en prie, n'hésitez pas. Je vais commencer donc par la société Pierre Guérin. Bonjour Anne, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Kerr, chargé de ressources humaines pour l'entreprise Pierre Guérin. Et donc, pour vous dire deux mots sur Pierre Guérin, nous avons, j'allais dire, un double regard sur les transformations de l'industrie. Un regard en tant qu'industriel pour notre propre entreprise, mais un regard aussi en tant que fabricant, concepteur de solutions pour l'industrie. En effet, depuis 70 ans, nous sommes experts dans les industries des procédés, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans les biotechnologies ou biopharmaceutiques. Et à ce titre, sur les biotechnologies, on fait partie du top 5 mondial. On représente 500 salariés, ce qui fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Et à 70%, nous travaillons à l'export. Donc ça, c'est plus sur notre partie, j'allais dire, entreprise en tant qu'industriel. Et puis, je vais laisser Michel parler de sa fonction et un peu de notre regard par rapport aux clients. Bonjour à tous, Michel Puot, je suis directeur du département électricité et automation. Et donc, j'ai une trentaine de personnes qui travaillent avec moi dans des bureaux d'études automatisme, informatique industrielle, électricité et instrumentation. Et nous concevons, fabriquons, installons des systèmes automatisés up-to-date chez nos clients, pour des usines clés en main, chez nos clients, qui sont de grands comptes de l'alimentaire et des industries pharmaceutiques. Très bien, merci. Michael Racotto et Xavier Négrier, peut-être ? Oui, bonjour à tous. Donc, Michael Racotto, donc je suis directeur technique au sein d'AgroM. En fait, nous avons deux gros départements qui sont liés, qui sont autour de l'industrie. Donc, on a un département ingénierie qui s'occupe des travaux neufs et moi, je m'occupe de tous les autres éléments de la technique. Donc, dans cette direction technique, je m'occupe de l'automatisme, de l'informatique industrielle et tout ce qui est lié à l'électricité. Donc, ça, c'est le premier service. Ensuite, il y a la méthode EGMAO qu'on est en train d'installer au niveau groupe. Donc, j'ai de la maintenance opérationnelle. Donc là, c'est au niveau des bonnes pratiques, au niveau des différentes usines. Et il y a le dernier qu'on vient de créer. Donc, c'est tout ce qui est lié à la Smart Industry, le 4.0. Voilà, donc, dans cette direction, il y a 25 personnes qui s'occupent de ces différents domaines. Et là, aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier. Donc, Xavier Négrier, moi, je suis responsable formation pour Agro Mousquetaire et responsable du campus Agro Mousquetaire, qui est notre école de formation interne, avec une partie apprentissage où on forme 90 apprentis à peu près par an et une partie université plutôt dédiée à la partie management et également une partie sur les formations techniques, d'où ma présence aussi aujourd'hui. Donc Agro Mousquetaire, rapidement, très rapidement, on est un peu spécifique dans le monde de l'industrie. Donc nous, on représente l'industrie agroalimentaire. Alors pourquoi je dis spécifique ? Parce qu'on est rattaché à un groupe de la grande distribution qui est le groupe Les Mousquetaires, dans lequel on retrouve l'enseigne Intermarché, donc, que vous connaissez tous, parce que vous faites tous vos courses chez Intermarché, je suppose. La spécificité, c'est quoi ? C'est qu'on est un fabricant de marques de distributeurs. Donc, pour Intermarché, à 70% à peu près, 70-75% de notre chiffre d'affaires se fait avec les points de vente Intermarché. Et le reste se fait avec des acteurs de la grande distribution ou de la restauration hors domicile. Donc, on est en quelque sorte un trait d'union avec d'un côté les producteurs avec qui on a aussi beaucoup de partenariats parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec les producteurs, il faut qu'on les accompagne avec des démarches qui ont donné, nos producteurs nous disent merci, par exemple sur le lait, où on s'engage à rétribuer le producteur avec un tarif minimum et à reverser des marges quand on fait des marges sur ces sujets-là. Et de l'autre côté, avec la grande distribution, parce qu'en fait, on va de la fourche à la fourchette. Voilà, c'est aussi ça, Agro Mousquetaire. Donc, Agro Mousquetaire, c'est une volonté de mieux produire pour mieux vivre. Donc, ce que je vous disais, avec beaucoup avec des engagements aujourd'hui sociétaux, à travers nos 59 sites de production. Donc, on a 59 sites de production, ce qui représente à peu près 11 000 collaborateurs en France, parce qu'on est 100% français.
Et je dirais qu'on est à 70% breton, parce que 70% de nos collaborateurs sont en Bretagne. Donc, je vous disais qu'on était un fabricant de marques de distributeurs. Et pour Intermarché, donc c'est des marques qu'on appelle Chabrior, Jean Rosé, Ranou, et ainsi de suite, sur lequel vous allez, Paquito aussi, sur lequel on fabrique à peu près 45% de CMDD. Et quand on sait qu'un Intermarché fait pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires sur des marques de distributeurs, entre 40 et 50%, ça veut dire qu'on fabrique 20 à 25% de ce qui sort d'un Intermarché. Donc, on est le premier fabricant en France de marques de distributeurs avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards. Voilà. Sur les 11 000 collaborateurs, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est le nombre de collaborateurs qu'on retrouve sur les métiers techniques. Et Michael, c'est à peu près… C'est à peu près 1 000 personnes sur les métiers techniques. Très bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on voit effectivement à l'écran que vous êtes situé essentiellement en Bretagne, comme vous venez de nous le dire. Je vous invite, Thierry, à nous présenter votre activité. Et puis là, on a fait, on va dire, dans le groupe, puisqu'on est à Siemens Saguenay. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Thierry Herzog. Je suis le DRH d'un site industriel situé en Alsace, à Haguenau, au nord de Strasbourg. Alors, je suis un peu le régional de l'État, puisque à la fois Siemens, mais aussi très, très, très impliqué dans la digitalisation. À Haguenau, nous fabriquons des instruments de contrôle pour les industries de process. Donc, nos collègues d'agro-mousquetaires en utilisent probablement des appareils qui vont mesurer des pressions, des niveaux, des débits, température. En fait, c'est souvent la première étape de la digitalisation. Si on veut traiter un signal, il faut bien l'avoir au début. Donc, nos appareils vont permettre cela. C'est un site relativement important, il y a à peu près 1 000 personnes avec un service R&D important aussi, 80 personnes en R&D. Voilà, donc pour l'introduction, ça va devoir suffire. Très bien, merci beaucoup. À tous les cinq. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre table ronde s'intitulait « L'industrie se transforme. Quels sont les besoins en compétences et les actions à mettre en œuvre par rapport à tout ça ?» Donc, peut-être ma première question, c'est finalement, cette transformation de l'usine, vous la vivez au quotidien. On parle de digitalisation. Est-ce que les visages de la digitalisation, pardon, sont les mêmes pour chacun d'entre vous, ou est-ce qu'on est sur des visages différents? Alors, ce que je propose de faire, c'est que Thierry prenne la parole. Oui, je veux bien commencer. Bien entendu, la digitalisation, elle est partout, elle est indispensable aujourd'hui. Si je reparle du site de Haguenau, la France est un pays high cost. Un groupe comme Siemens pourrait être tenté de fabriquer ces appareils dans d'autres pays. Mais bien sûr, on a très envie de les fabriquer ici. Donc, ça nous oblige à améliorer nos lignes de production, et la digitalisation nous aide énormément pour cela. Alors, bien sûr, ça permet de fabriquer des produits avec des coûts acceptables par le marché. Ça améliore aussi les conditions de travail. Je sais pas, il faut pas le négliger. Dans l'usine, on utilise des technologies telles que la soudure, l'usinage, mais c'est surtout beaucoup de montage. Et le montage, ça peut quand même assez facilement s'automatiser. Alors, il y a des bruits parasites, mais on va continuer quand même. Et tout ça nécessite aussi beaucoup d'accompagner le personnel. En fait, la vraie révolution de la digitalisation se passe sur le terrain tous les jours. Tous les jours. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'elle se traduit dans les ateliers? Dans les ateliers, c'est la mise en place de robots, bien sûr. Oui, essentiellement la mise en place de robots et la réorganisation de lignes de production. Et qui vise à quoi, finalement ? Qui vise à produire des équipements rapidement, alors, et dans des coûts maîtrisés.
Vous m'aviez également parlé de pénibilité, si je me souviens bien, quand on en avait rapidement discuté. Oui, oui. Alors, je l'ai un peu évoqué en parlant d'usinage, de soudure. Alors, quelqu'un, je crois que c'est Gilles tout à l'heure qui parlait de copeaux et de graisse. Alors, on s'imagine toujours des usines un petit peu d'hier, mais aujourd'hui, les usines sont très propres, très, très clean. Et la digitalisation permet de faire tout ça. Très bien. Du côté de Pierre Guérin, est-ce que on arrive au même niveau ou est-ce que c'est différent? Comment ça se passe chez vous? Moi, je vais prendre un peu le côté client Pierre Guérin. Hein, donc, il prend un exemple d'utilisation de la digitalisation. Nous avions un client danois en début d'année qui devait venir réceptionner son installation dans nos ateliers, hein, sont les installations dans la pharmacie, hein, pour fabriquer divers produits pharmaceutiques, ça peut être des vaccins, ne pouvant pas se déplacer, nous avons utilisé des lunettes connectées pour pouvoir faire cette réception, hein, qui a duré plusieurs jours sur plusieurs semaines. Donc ces lunettes connectées avec la réalité augmentée ont permis de réceptionner l'installation de notre client, lui étant bien sûr à distance dans une salle de réunion avec les différents spécialistes, et ça nous a permis donc de réceptionner cette installation-là. On l'utilise aussi. On utilise ces lunettes connectées dans d'autres domaines aussi, en avant-vente, bien sûr, en maintenance et également en formation. Ok, très bien. Merci pour ces informations. Du côté d'Agro Mousquetaire, c'est aussi un sujet pour vous? Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on ne voulait pas louper ce virage numérique. Donc c'est vrai qu'on a, on balaye encore un peu plus large, nous. Donc on a défini 14 grandes briques, hein, au niveau de cette industrie de la numérisation. Donc tout à l'heure, j'ai entendu de jumeaux numériques, donc c'est un des pavés qu'on développe aussi. On peut parler aussi de l'Internet des objets, de tout ce qui est dématérialisation, de la technologie portable, donc la partie lunettes embarquées en fait partie. On a aussi la réalité augmentée, donc on a défini 14 grands pavés qu'on est en train de développer. Et c'est vrai que pour nous, la numérisation, c'est toutes ces briques qui permettent d'évoluer vers le 4.0. Donc c'est pour ça qu'au sein de ma direction, j'ai créé ce service 4.0. Et le responsable qui est aux manettes a tout le loisir d'aller chercher toutes les dernières technologies qui permettent, au fond, de viser la performance, parce que tout ça nous permet d'avoir à la fois de la performance, de la sécurité au sein de nos usines, de la qualité de vie et puis de l'efficacité de nos opérations. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 14 briques qu'on a créées? Donc, elles sont tous basées sur du numérique qui permettent d'exploiter les données qui sont centrées sur l'humain. C'est vrai qu'on attache une grande importance sur l'humain. C'est pas parce qu'on met de la robotisation ou avancée dans nos usines que l'humain ne fait pas partie de nos schémas. Bien au contraire, on doit s'appuyer sur ces compétences-là justement qui nous permettent d'évoluer vers de l'efficacité et de la performance. Voilà la définition de l'Agro Mousquetaire au niveau de la transformation numérique. Et là, on travaille main dans la main, avec la DSI qui nous accompagne sur des projets encore plus structurants. Et on se doit, nous, au niveau technique, d'apporter des solutions rapides qui permettent d'évoluer déjà aujourd'hui vers ce virage numérique. Très bien, merci pour ces premières informations et cette première définition. On a entendu beaucoup parler de compétences depuis maintenant quasiment une heure que vous nous suivez. Quelles vont être les compétences que vous allez mettre en avant, chacun d'entre vous, puisqu'on voit que finalement, l'industrie est multiple et puis peut-être les attendus sont aussi multiples. Thierry, peut-être une réponse par rapport à ça? Oui, alors c'est effectivement un point tout à fait important. Il est clair que la transformation des lignes de production intégrant des robots, de l'automatisme encore plus développé, entraîne une modification importante des compétences nécessaires des salariés. Historiquement, dans une usine comme la nôtre, on employait beaucoup de personnel assez faiblement qualifié, hein, sur les métiers d'avant, j'allais dire, des gens qui apprenaient un petit peu sur le tas, surtout quand il s'agit de maintenant.
finance, hein, des gens qui n'avaient pas forcément une formation technique. Aujourd'hui, alors, bien sûr, loin de nous l'idée de vouloir nous séparer des gens, donc on a bâti des grands programmes de formation, hein, parfois diplômants, avec des organismes extérieurs pour améliorer, pour augmenter la compétence et la qualification de nos collaborateurs. Il est sûr que des collaborateurs qui faisaient du montage, qui assemblaient manuellement des pièces, aujourd'hui sont amenés à suivre des lignes automatisées, à faire du réglage et ainsi de suite. Ce ne sont pas les mêmes compétences et nous en avons formé un bon nombre. Alors aujourd'hui, quand on recrute à l'extérieur, et par bonheur, on a la possibilité de recruter assez régulièrement, on va plus s'adresser à des niveaux bac pro. Hein. Alors on n'a pas forcément, on ne va pas mettre des ingénieurs sur les lignes de production, mais il faut quand même déjà des compétences techniques assez solides pour pouvoir analyser des défaillances, les rectifier, faire du réglage et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors ce que je voulais rajouter aussi en termes de compétences, hein, c'est que bon, là on parle de digitalisation, mais c'est pas, on ne parle pas que de ça. Je veux dire, tout ça, ça se fait dans un environnement ce qu'on appelle Lean. Hein, toutes ces transformations sont réalisées dans cet esprit Lean. Alors bon, le Lean, c'est quelque chose de bien connu. Alors quand on a préparé un peu, on m'a dit qu'il faut le rappeler, mais à mon avis, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que le Lean. Hein. Ce sont des systèmes d'organisation du travail qui visent essentiellement à supprimer les gaspillages, à être efficace tout du long. Hein. Enfin, il y a une littérature énorme sur le Lean, je suis sûr que tout le monde connaît ça. Il y a une autre technique que je voudrais évoquer qui est plus récente et plus récemment utilisée, en tout cas dans l'industrie, parce que c'est des techniques qui ont été développées pour l'informatique, sont les techniques agiles. Hein. Ça aussi, c'est des choses qu'on utilise beaucoup, et même sur des lignes de production. Les grands concepts, là aussi, vous trouverez les informations partout. Le grand concept, c'est d'aller avec des cycles très rapides. Hein, vous avez une idée, un groupe de projet a une idée, eh ben, on va très rapidement la mettre en œuvre en quelques jours, hein, ce qu'on appelle un scrum. Hein, on voit si ça marche. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête et on fait autre chose. Hein, donc, OK. La digitalisation, mais toutes ces techniques, le Lean, les techniques agiles, tout ça, ça forme un tout. Très bien, merci beaucoup. Mickaël et Xavier, une intervention peut-être sur ce sujet-là ? Sur les alors, compétences ? Oui, pour compléter, alors j'ai entendu des choses qui nous correspondent aussi, hein, notamment la notion d'agilité, la notion aussi de régleur, où on n'a pas besoin, enfin, on a besoin d'ingénieurs, mais pas que d'ingénieurs, on a aussi besoin de premier, deuxième niveau de qualification. Alors, nous, donc Mickaël a parlé de la transformation qui s'opère sur la partie technique, et on est aussi rattaché à la grande distribution avec une idée, c'est qu'on innove régulièrement sur les produits, donc avec une nécessité d'adaptation régulière. C'est-à-dire, et quand je dis régulier, c'est des produits qui sortent à 3 à 6 mois. Donc, ça va très vite dans la grande distribution, souvent. Et donc, ça nécessite, parmi les qualités, une capacité d'adaptation forte et d'agilité par rapport à ce monde en transformation continue. Donc ça, c'est vraiment des qualités qu'on recherche sur les métiers techniques et sur nos autres métiers, bien entendu. Ensuite, on a besoin de personnes, je dirais, entre guillemets, méthodiques, avec une vraie capacité d'analyse et d'audit. Quand il y a une panne, il faut faire un diagnostic, et Mickaël insiste souvent, il me dit, il faut que tu les formes à ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, ils ont plein de compétences, mais ils ne savent pas les organiser toujours correctement. Donc, il faut aussi accompagner les personnes sur ces sujets-là ou qu'ils aient ces capacités de méthodologie. Et par ailleurs, on a un enjeu fort chez nous, c'est qu'on a un taux de départ en retraite sur les prochaines années qui est assez élevé. On est autour de 30% sur ces métiers techniques de technicien de maintenance, d'agent de maintenance. Et donc, on ne peut pas perdre toutes ces compétences techniques. On a besoin d'opérer tout ce qui est transmission des savoirs et savoir-faire. Et enfin, on a besoin de plus en plus aussi de compétences techniques spécifiques qui s'opèrent dans le cadre de notre organisation qui est matricielle, parce que Mickaël est sur la direction technique qui va accompagner tous nos sites industriels. Et donc, sur ces compétences techniques, Mickaël, tu attends quoi aujourd'hui ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des 14 groupes AV qu'on lançait, mais aujourd'hui, on a quand même fait quatre grandes priorités. Hein, donc,
Le premier pavé, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et tout ce qui était data science, donc qui nous permet de mettre en place la maintenance prédictive, la maîtrise de procédés industriels complexes, donc le contrôle de vision, l'optimisation de la matière, donc tout ce qui est rendement. Donc, ça, le premier gros pavé, sur lequel on attend des compétences. Deuxième point, c'est la robotique avancée. Donc, ce n'est pas la robotique qu'on trouve sur étagère, mais c'est plutôt de transformation de gestes manuels en robotique avancée, donc qui permet de permettre de l'assistance aux opérateurs et puis d'automatiser des tâches qui sont complexes. Le troisième pavé, c'est tout ce qui est lié autour de l'opérateur augmenté. Donc, on a un peu parlé tout à l'heure. Donc, ça permet quoi? Ça permet de fiabiliser les opérations de maintenance, de développer l'acquisition de compétences et puis d'améliorer les conditions de travail. Et le dernier pavé de compétences que l'on développe et qu'on met en avant, c'est toute la partie digitalisation des opérations de terrain. Donc là, c'est tout ce qui est management visuel de la performance, le travail collaboratif et le pilotage de la performance. Voilà, donc vous aviez parlé de soft skills, c'est ça, vous aviez? Moi, je parle plutôt de hard skills, donc voilà ce que j'attends au niveau technique. Et les deux se complètent et nous permettent d'aller de l'avant, de gagner la performance avec une qualité de vie au travail. Très bien. Alors, on a entendu parler de capitalisation de savoir-faire, finalement, être en mesure de transmettre ce savoir-faire, d'avoir des départs en retraite. Je pense que, en préparant un peu cette interview, Olivier et Michel, vous aviez beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. En effet, si on est raccord avec tout ce qui a été dit précédemment, peut-être une différence qu'il faut qu'on explique, c'est que dans nos processus de fabrication, nous fabriquons des usines clés en main qui ne sont que du sur-mesure. Donc, il y a des activités qu'aujourd'hui, nous ne savons pas automatiser dans nos activités de production, dans la chaudronnerie par exemple. Et donc, nous avons encore besoin de gens qui ont un savoir-faire technique et j'allais dire manuel. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu en termes de recrutement. Au-delà de ça, ce savoir-faire technique doit être complété par tous les outils digitaux. Alors, évidemment, l'objectif, c'est de passer de la conception à la production très vite. Ils doivent appréhender les outils digitaux, mais on doit être garant, et Thierry parlait de départ en retraite, c'est un enjeu chez nous, on existe depuis 70 ans, on a des gens qui ont un savoir-faire technique manuel, je dirais presque artisanal, mais au sens noble du terme, ce qui n'est pas du tout opposé à la digitalisation, la transformation. Mais du coup, on doit assurer le transfert. Donc, la première étape, c'est un d'identifier ces savoir-faire techniques et de les recenser et pour en assurer le transfert et l'intégration des nouveaux pour répondre aux objectifs de renouvellement de l'équipe. Donc, c'est dire faire une cartographie des savoir-faire techniques et on en a besoin et on a besoin de les valoriser aujourd'hui. Et puis, c'est aussi conserver l'ADN de l'entreprise et assurer l'intégration de nouveaux collaborateurs. Quelqu'un qui arrive chez nous, on ne peut pas le mettre sur une ligne de production puisque nous, on est sur une logique de flux, mais il n'y a pas de ligne comme on peut le voir dans certaines entreprises. Pour comprendre les attendus du client. Et l'enjeu de ça, ce sera aussi de faire en sorte que la personne intègre rapidement et soit opérationnelle rapidement tout en garantissant un niveau de qualité. Donc, il y a toute une démarche qui est mise en place là-dessus, d'évaluation, mise en place du tutorat, du compagnonnage. Puis, Michel peut donner un exemple sur le bureau d'études de ce qui se fait, puisque cette logique, on l'a aussi au BE. Effectivement, donc, dans les bureaux d'études, nous avons régulièrement des retours d'expérience sur les projets que nous mettons en œuvre chez nos clients, à savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et tout ça, nous l'expliquons à nos nouveaux collaborateurs. Ensuite, systématiquement, nous avons un tuteur pour ces nouveaux collaborateurs, et ce tutorat va jusqu'à 2 ans, parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour apprendre toutes les disciplines qu'on met en œuvre, sachant qu'on a des parties informatiques industrielles, des parties automatisme, programmation, de l'instrumentation, on définit l'instrumentation qui est fabriquée chez notre confrère, Siemens. Donc il faut la définir, il faut avant de pouvoir lancer les commandes de ces composants. Voilà. Très bien, merci pour ces informations. Peut-être un mot, Michael et Xavier, toujours sur cet axe de capitalisation du savoir-faire. Oui, alors je vais reprendre un peu ce que disait aussi Olivier, c'est qu'aujourd'hui, alors il n'y a pas de culture de l'écrit sur certains de ces métiers, voilà, d'opérateurs, d'agents, de techniciens de maintenance, ce n'est pas leur fonctionnement. Or, il y a des spécificités, il y a des savoir-faire spécifiques, il y a des savoir-faire qui sont très spécifiques et qui tiennent souvent à une personne ou deux personnes. Et dès qu'il y a un départ, pour quelque raison que ce soit, chacun est libre d'aller travailler où il veut, hein,
c'est le droit européen. Et puis il y a les départs en retraite, ainsi de suite. On peut perdre beaucoup. Et on a besoin aujourd'hui, mais justement, de formaliser ces savoir-faire et ces savoir-faire-faire et d'accompagner les nouvelles personnes. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend à l'école, qu'on apprend en formation, et puis il y a des choses qu'on apprend sur le terrain et qui sont vitales pour faire, pour être performant. Et on cherche de la performance et c'est toujours sur ça qu'on a nos gains. Donc nous, au niveau du campus, on développe une méthodologie de transmission des savoirs avec d'un côté un tuteur ou parrain, hein, on l'appelle comme on veut, qu'on va former déjà sur les actes de tuteur, mais également sur la méthodologie que l'on souhaite mettre en place. Et dans un second temps, on va cartographier justement toutes les compétences nécessaires, toutes les compétences savoir-faire et savoir-faire-faire spécifiques à un métier pour que le tuteur accompagne des nouveaux arrivants ou des personnes qui évoluent parce que la transmission des savoirs, elle va se faire pour les nouveaux arrivants, mais elle peut aussi se faire pour des personnes qui vont évoluer dans l'entreprise parce que on n'arrive pas forcément à recruter toujours toutes les personnes qu'on voudrait sur des parties techniques et on peut faire évoluer des personnes de la prod qui ont de l'appétence pour ces sujets-là vers ces métiers sur des premiers jusqu'à troisième niveau d'intervention. Très bien. Donc voilà ce qu'on va imaginer et puis on accompagne donc au mieux c'est sur ces sujets-là avec aussi de la digitalisation dans nos process de formation. On en reparlera après. Très bien. On a parlé de nouveaux arrivants. On a parlé aussi de pénurie d'emploi. Est-ce que c'est aussi des situations que vous connaissez dans vos entreprises respectives? Peut-être Olivier et Michel? Alors, pénurie d'emploi, j'utiliserai pas ce terme-là, mais aujourd'hui, en effet, la particularité de nos métiers industriels et de notre site de production en France, là où est le siège social, c'est qu'on est sur un bassin d'emploi tertiaire. Ce que j'expliquais, c'est que certains d'entre des gens qui nous écoutent connaissent sans doute Niort pour être la capitale des mutuelles. Et donc, en termes d'emploi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une culture de l'emploi tertiaire et moins de culture industrielle. Donc, en effet, cette année, on a un plan de recrutement où on attend 100 personnes à recruter. Pour donner une idée, on est une entreprise de 500 personnes. On en a 100 à recruter en 2021, à la fois pour faire face à des départs en retraite et aussi pour faire face à la croissance. Donc, ça veut dire qu'on rajoute à ça un faible taux de chômage sur le bassin, puisqu'on est autour de 5%. Et du coup, on a des difficultés à trouver des profils compétents et qualifiés avec l'envie de travailler dans l'industrie, sans doute, et en partie à cause de l'image de l'industrie qui nous colle un peu à la peau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On travaille énormément les partenariats avec les écoles pour être acteurs des formations, c'est-à-dire à la fois pouvoir accueillir des gens en stage, permettre des visites de l'entreprise, que les écoles soient le plus proches possible de nos besoins et éventuellement participer à faire évoluer les formations. Alors, quand je parle d'école, ça va du lycée jusqu'à l'école d'ingénieur et dans toutes les spécialités. Et même, je dirais même au-delà de l'industrie, puisque comme toute entreprise, on a aussi des fonctions support. Et on est aussi dans une logique de filière industrielle. L'événement auquel on participe aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait aussi sur le territoire pour que l'industrie ait une image positive, pour faire que des jeunes aient envie de s'inscrire dans les formations et qu'on puisse après les récupérer à la sortie de l'école pour leur permettre de développer leur carrière. Et puis l'autre axe sur lequel on travaille pour recruter, c'est de former beaucoup en interne. Alors, on utilise tout un tas de dispositifs, mais aussi on a énormément recours à l'alternance. Chaque année, on prend une vingtaine de personnes en contrat d'alternance. Et dans 50 à 60% des cas, ce sont des gens qui acceptent de rester en CDI chez nous. Et l'optique des gens qu'on prend en alternance, c'est bien de les garder en CDI. Donc alternance, tout niveau, ça va du CQPM de chaudronnier-soudeur jusqu'à des alternances d'écoles d'ingénieurs dans les bureaux d'études. Donc, on fait tout pour attirer et aussi pour que l'industrie change un peu l'image qu'elle a sur nos territoires et on implique aussi nos équipes dans ce changement d'image. Très bien. Xavier et Mickaël, vous voulez réagir sur cet aspect-là? Alors, oui, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que le recrutement est forcément complexe. C'est pour ça aussi qu'on se démultiplie avec Mickaël pour intervenir au maximum. Alors, pourquoi il est complexe pour nous? Déjà, il faut voir, c'est qu'en Bretagne, le taux de chômage est relativement bas. C'est une bonne nouvelle en soi.
mais ça ne facilite pas forcément nos recrutements. Et on est sur certains bassins d'emploi en plus en Bretagne où il est record sur le bassin de Vitrien, il est à 4,4%. Donc autant vous dire qu'on est quasiment au plein emploi, enfin on est au plein emploi même. Donc forcément, on est sur un recrutement qui est complexe dans sa globalité. Et si en plus on rajoute sur les métiers techniques de techniciens de maintenance par exemple, on sait qu'en France aujourd'hui, entre le nombre de personnes qui sont formées à ce métier-là et le besoin qu'ont les entreprises de l'industrie, toute industrie confondue, le besoin est supérieur, ou le besoin exprimé est supérieur. Donc on a une vraie difficulté de recrutement. Je rajouterai aussi un élément que disait tout à l'heure Thierry par rapport à ces notions de régleurs, d'agents de maintenance. On a besoin d'expertise, on a besoin d'ingénieurs spécialisés, mais on a aussi besoin de techniciens et d'agents de maintenance ou de régleurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes qui ont d'un niveau bac pro à un niveau bac plus 3. On a besoin de personnes qui ont un bac plus 5, mais on a aussi beaucoup besoin à ce niveau-là. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont poursuivre. On prend aussi beaucoup de jeunes pour faire des BTS qui ont un bac général, et ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parce que quand une personne sort d'un bac plus 2, voire d'un bac plus 2, un technicien de maintenance, il faut aussi qu'il ait vraiment des notions en mécanique, en électricité, et qui souvent sont plus apprises sur des bacs pro que sur des bacs généraux. Donc là, dans ce cadre-là, nous, on a lancé au niveau de notre campus un bac pro d'agent de maintenance, donc à cette rentrée, pour former aussi des agents de maintenance qui pourront évoluer vers le métier de technicien, soit en continuant leurs études, ou soit qu'on accompagnera dans leur carrière parce qu'on a aujourd'hui les outils. On a un deuxième problème, nous, en termes de secteur d'activité, c'est que le secteur de l'agroalimentaire est souvent, entre guillemets, moins populaire que d'autres secteurs de l'industrie. Donc on rajoute un peu cette difficulté parce qu'il y a les 3-8, parce que voilà, et on peut travailler dans le froid. On a une image aussi de l'industrie agroalimentaire qui n'est pas forcément la bonne, parce que si vous rentrez dans une entreprise aujourd'hui qui fabrique du pain, vous seriez surpris du niveau de technologie qu'il y a et du niveau de on est sur l'industrie 4.0 clairement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour recruter? Ben, on multiplie les partenariats aussi avec des écoles. Parce que derrière, on a des enjeux en termes d'alternance. Donc, sur tout le groupe, on vise les 5% d'alternants. Mais sur les métiers techniques, on vise plutôt les 10% d'alternants parce qu'on sait qu'on a beaucoup de renouvellement à venir. Donc, il faut qu'on intègre. Donc, voilà, ça, c'est un vrai objectif qu'on se donne et qu'on atteigne assez régulièrement. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire aussi pour recruter? Ben, chez nous, l'idée, c'est aussi de dire, ben, vous allez rentrer sur un métier de technicien de maintenance. Demain, je peux vous accompagner sur un métier de responsable maintenance, de chef d'équipe. Je peux vous accompagner vers plus d'expertise. Voilà, ça, d'accord. C'est aussi notre enjeu, soit avec notre campus, soit avec des partenariats externes. Et puis, dernière chose que je vous invite à aller regarder, c'est notre site Usine Ouverte. Parce qu'on a un site qui s'appelle Usine Ouverte, où dans lequel on peut visiter des usines. Donc, ce que je vous disais, ça, c'est aussi pour casser l'image que l'on a, pour montrer la modernité et toutes les actions que l'on peut mener. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on arrive quasiment au terme de notre entretien. Il y a quelques questions qu'on va prendre. C'est pour ça que je me permets de passer donc à la question suivante. Finalement, est-ce que vous auriez un message spécifique à adresser à notre public aujourd'hui qui nous écoute? Et là, je vais proposer à ce que ce soit Olivier, Michel et Thierry qui puissent en discuter. Et puis après, on prendra la question qu'on a eue. Voilà. Olivier, Michel, n'hésitez pas pour ce dernier mot de conclusion. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que l'industrie française a de l'avenir. Et vous pouvez dire à vos étudiants que nous avons des métiers passionnants à proposer dans les bureaux d'études, que ce soit pour faire de la programmation, de la supervision, et puis de la définition d'instruments. Et également, tout ça, chez nous, c'est associé à de très très beaux voyages à travers le monde. Puisque ensuite, les installations que nous livrons, on va les mettre au point chez nos clients. Hein. Donc, ça peut être l'Europe, hein, en France, c'est le Danemark, etc. On est beaucoup en Asie, Corée du Sud. On se déplace également en Chine, on a également les États-Unis. Donc, moi, dans ma carrière, j'ai pu faire de très beaux voyages à travers mon travail. Mais il faut savoir que ça existe. Donc, les métiers sont passionnants, mais aussi agrémentés par des voyages. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Je rajouterais juste que il faut auprès des étudiants, de la famille, la crainte souvent, c'est si je me lance dans l'industrie, je m'enferme dans une voie et c'est définitif. Et je fais un choix d'orientation quand j'ai 14, 15, 16, 18 ans. Et c'est foutu, je joue ma vie à ce moment-là. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et l'industrie, en tout cas, offre de vraies perspectives d'évolution, qu'elles soient horizontales, prise de responsabilité, encadrement des équipes, management, direction, et on a plein d'exemples chez nous, mais aussi d'évolution verticale, pardon, j'ai inversé les deux, d'évolution verticale où je peux changer de métier. Je peux démarrer comme régleur, je peux démarrer comme technicien, passer aux méthodes et pourquoi pas finir chez nous comme chef de projet, gestionnaire de contrat, de grosses installations. Donc on ne s'enferme pas dans une filière ou au contraire on rentre dans une filière qui offre plein de débouchés et la base technique permet vraiment d'évoluer dans les métiers autour de l'industrie. Merci beaucoup pour ces messages très encourageants et puis qui donnent envie. Thierry, peut-être le mot de la fin. Allez, je voulais surtout appuyer sur ce que vient d'être dit par Michel et par Olivier, hein, c'est que l'industrie offre de très beaux métiers. Alors, j'interviens régulièrement moi dans des collèges par exemple pour essayer d'expliquer aux jeunes qui y sont qu'il ne faut pas négliger ces voies-là. Et effectivement, les enseignants qui participent à cet échange peuvent aussi relayer ce message-là. Et le dernier point, alors là aussi, je ne sais pas si ça va être la conclusion, mais ça a déjà été évoqué. L'un d'entre nous a parlé de soft skills. Je crois que c'est aussi un point très important. On a besoin, bien sûr, de gens qualifiés qui connaissent leur activité, mais aussi des gens qui ont un bon mindset, une bonne approche des choses. Il faut savoir travailler avec les autres, être constructif, être positif, même être poli parfois, tout simplement. Hein, ça commence par là. Et parfois, on est un peu déçu sur ces choses-là. Donc, c'est de l'éducation, tout simplement. Hein, et c'est le métier de tous ceux qui participent à cet échange. Merci beaucoup pour cet échange très, très riche. On a appris plein de choses. Je reste accessible via le Slido pour pouvoir reprendre donc les questions. On en a là à l'instant. Et puis aussi pour vous mettre en contact, si vous le souhaitez, avec Thierry, Olivier, Michel, Xavier et Mickaël pour développer des partenariats, faire en sorte de créer du lien. C'est vraiment l'objectif aussi de cet échange d'aujourd'hui, c'est créer du lien. Donc saisissez cette opportunité-là pour pouvoir le faire et n'hésitez pas à indiquer votre intérêt dans le Slido. Donc. Voilà, je vais laisser l'IS vous poser la question. Il nous reste une minute, donc on va faire court, mais la question valait son pesant de cacahuètes, comme on dit. Tout à fait, Anne. Donc on réagit en direct sur les questions qui nous sont posées sur le Slido. Et donc nous avons une question où on nous dit, on nous parle de Figital dans le retail depuis des années, et d'après vous, pourquoi la digitalisation a-t-elle mis tant de temps à se diffuser dans l'industrie ? 45 secondes. Pas l'impression que la digitalisation ait mis tellement de temps. Enfin, bon, nous, chez Siemens, ça fait partie de notre ADN, mais j'ai dans le bassin de l'emploi dans lequel je suis, il y a beaucoup de grosses entreprises qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'on pense. Je pense qu'il y a une question de visibilité. Le retail, c'est visible. Ouais. L'industrie que l'on représente, elle est entre guillemets cachée, quoi. C'est moins visible. Donc, c'est aussi cette impression-là. Mais après, je ne sais pas, Mickaël, ce que tu en penses, mais ça doit faire des années que tu travailles aussi sur ces sujets de digitalisation. Après, sur l'industrie, on est sur des investissements lourds également. Donc, ça peut mettre un peu plus de temps. Ça peut être une des raisons. Ouais. C'est vrai que ça a toujours été présent, mais peut-être qu'on subit une accélération aujourd'hui. On comprend les enjeux. Et surtout, ça correspond à des besoins et des envies aussi de nos jeunes ou moins jeunes pour aller vers ces métiers-là. Donc, je pense que c'est une adaptation entre la vitesse d'exécution de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et puis la compréhension de l'industrie pour dire il faut y aller, et encore plus vite, et il faut y mettre les moyens. Et puis, il y a moins de freins à la mise en œuvre de ces solutions aujourd'hui, j'allais dire tout simplement humain, sur l'adhésion aux nouvelles technologies. On le voit, nous, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, un smartphone, et dans la digitalisation et les objets connectés. Il y a 10 ou 15 ans, c'était moins le cas, et ne serait-ce que parler d'installation d'un ERP dans un atelier de production qui est déjà une forme de digitalisation, un outil de gestion de la production, c'était déjà un challenge en soi, quoi. Mmh.
Bah écoutez, tout le monde sur la maîtrise des outils. Ouais. Oui, effectivement, on mériterait d'avoir une vraie filière plus montrée. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités d'usine ouverte. On en a parlé. La semaine de l'industrie aussi, qui donne à voir beaucoup de ce qu'est l'industrie de l'intérieur. Je voulais vous remercier tous les cinq pour votre témoignage aujourd'hui, pour l'intérêt que vous avez manifesté pour Siemens Education Day, et puis aussi pour les messages qui ont été passés, parce que je pense que c'est des messages forts que tout le monde doit entendre. Un grand, grand merci à tous. Maintenant, on va pouvoir passer à une courte pause de 5 minutes. On a fait court, le programme est dense, donc on vous laisse prendre un café et on revient dans 5 minutes. Merci beaucoup à tous, à tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bon retour parmi nous. J'espère que vous avez pris le temps de faire une petite pause rafraîchissement et de prendre un petit café pour enchaîner sur cette matinée. Je voulais aussi faire un petit coucou à l'IUT de Nancy, du département GE2I, donc, qui nous regarde avec le professeur et l'ensemble des étudiants. Je fais aussi un rappel sur le Slido, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en scannant le QR code que vous voyez à l'écran ou en entrant le code présent sur slido.com. Vous retrouverez ce QR code et le code en bas de votre écran tout au long de la présentation. Nous allons maintenant accueillir Laurent Mismac pour sa présentation sur l'usine connectée et les nouvelles technologies qui arrivent dans le monde industriel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, le thème que je vais introduire là maintenant, c'est un thème sur les nouvelles technologies qui arrivent dans les ateliers de production. Alors, avant de pouvoir parler effectivement de ces ateliers liés à la production, je suis Laurent Mismac, je suis le directeur des services au sein de la business unit Digital Industry pour la France. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur les technologies qui ont provoqué le changement et l'arrivée de la digitalisation. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'arrivée des capteurs. Donc, on va... Si vous étiez en plénière, on aurait fait des petites devinettes, mais là, on va y aller directement. À savoir que le nombre de capteurs qu'on va trouver aujourd'hui sur un smartphone de haut de gamme est à peu près de 15. Hein, 15 capteurs avec des accéléromètres, gyromètres, etc. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 milliards de capteurs qui ont été installés sur l'ensemble des smartphones qui ont été vendus. Donc, ça veut dire que la notion d'information captée vers l'extérieur existe. Le deuxième point, c'est la bande passante. La bande passante a été énormément améliorée puisque si on prend un exemple très simple, à savoir le nouvel an de 2019, c'est à peu près 100 milliards de messages WhatsApp qui ont été échangés en l'espace de 5 minutes. Et aujourd'hui, les 100 milliards de messages WhatsApp, d'accord, c'est devenu le quotidien. Et la dernière évolution, c'est l'accès dans le monde à l'information. On est à peu près 7,7 milliards d'individus dans le monde et aujourd'hui 57% de ces individus ont un accès vers Internet. Donc on remarque globalement, la technologie aujourd'hui nous permet, au travers de la communication, au travers de l'échange d'informations, de transfert de données, de pouvoir accéder à ce qu'on appelle la digitalisation. Alors, mais ce n'est pas tout. Puisque derrière la digitalisation, il y a aussi ce qu'on appelle des entreprises innovantes qui ont généré des business models digitaux totalement différents. Donc,
Si on prend un exemple très simple, avant nous allions chez le disquaire, maintenant c'est fini, on n'y va plus, puisque derrière on a un échange qui se fait directement en streaming. Le contrôle manuel d'un thermostat chez soi existe toujours pour certains, mais on est capable effectivement avec un simple smartphone de modifier à distance la température, voire gérer complètement de façon domotique, d'accord, notre maison. On voit aussi qu'au niveau industriel, si on prend, mettons, les turbines, aujourd'hui Rolls-Royce ne vend plus ses moteurs. Il les vend à l'usage, donc il fait une facturation à l'heure au fonctionnement. Et pour terminer, on voit qu'effectivement, dans le fleetboard, il y a énormément de connexions qui ont été mises en place, de telle façon à avoir une surveillance des flottes de façon plus efficace. Et bien, vous le voyez bien, lorsque vous commandez un colis, vous êtes capable de tracer l'arrivée du colis jusqu'à chez vous. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on remarque qu'il y a une disruption digitale qui a été mise en place, notamment au travers de leaders B2C, donc des fournisseurs de plateformes. Et vous les connaissez très bien, puisque vous les utilisez sûrement. Et ce qui est incroyable, c'est d'avoir Uber, qui est le leader mondial du VTC, qui ne possède aucun véhicule, d'avoir Facebook, qui est le leader mondial des réseaux sociaux, qui ne produit pas de contenu. Vous avez Alibaba, qui est un distributeur, qui ne possède pas de stock. Et puis, de l'autre côté, vous avez Airbnb, qui est un loueur, qui ne possède aucun logement. Donc, on voit que la révolution digitale est là. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est comment appliquer ces modèles B2B dans l'industrie. Et indirectement, c'est l'industrie 4.0. Donc, quelle est la perspective stratégique d'une entreprise à propos de la digitalisation? Alors, il y a un des points qui est essentiel, c'est soit on est client, soit on est fournisseur. Souvent, on est les deux. À un moment, on est client, à un autre moment, on est fournisseur. Et là, c'était présenté lors des personnes qui sont passées précédemment. Il y a l'arrivée, effectivement, de développer de nouvelles compétences. On va le retrouver des deux côtés. Il y a aussi un changement de culture. Aujourd'hui, on ne va plus parler produits, on va plutôt parler valeur. C'est-à-dire qu'on va essayer, le fournisseur vis-à-vis de son client, il va essayer de vendre de la valeur et non pas un produit, puisque la technologie existe maintenant. Qu'a besoin le client? Quels sont les différents types de business models qu'il faut mettre en place? Comment co-construire le futur? On voit effectivement aussi un autre terme qui a été utilisé dans les précédentes interventions, qui est la collaboration. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont posées entre le client et le fournisseur. Et surtout augmenter, d'accord, vis-à-vis de la situation du Covid. On le verra un peu plus tard. Derrière, on voit que l'écosystème est important, puisque même un fournisseur ne peut pas tout fournir. Aujourd'hui, on va fournir des solutions technologiques, mais on remarque qu'au travers notamment de start-up ou d'autres types de fournisseurs, ils ont des solutions pertinentes pouvant être intégrées avec les solutions existantes du constructeur. Donc, faire de la digitalisation, et ça a été aussi exprimé aussi durant les dernières interventions, c'est de créer son écosystème au travers donc de fournisseurs compétents ayant le même langage, de consultants, de financiers, de développeurs, mais aussi de partenaires publics. Et là, on retrouve les écoles, on retrouve aussi des centres, les centres effectivement donc scientifiques de recherche et développement et autres. Alors, pourquoi passer de l'industrie 4.0 et digitaliser votre production? Tout d'abord, ça démarre tout simplement par l'exigence du consommateur. On voit que le consommateur a besoin donc d'efficacité, il a besoin d'intelligence, il a besoin, on retrouve toujours les termes de la qualité, la flexibilité, d'être connecté, donc, et surtout d'avoir ce qu'on appelle en fait de la personnalisation, puisque tout passe par la personnalisation maintenant. Donc pour cela, au sein de Siemens, on a mis en place un parcours, on va dire en trois grandes étapes, qui s'appelle le consulting, l'implémentation et l'optimisation, de telle façon à pouvoir appréhender ce parcours digital qui est à construire avec le client, mais aussi à s'affranchir un petit peu de la vente de produits, de plutôt passer par une proposition de valeur. L'un des premiers points effectivement que l'on va voir, c'est l'aspect consulting. Et cet aspect n'est pas à négliger, puisque dans la plupart des cas, les erreurs qui ont été commises, notamment lorsqu'on a fait des POC sur la digitalisation, c'est souvent la mécompréhension du problème client. Donc pour cela, la première chose que l'on va faire, c'est d'éveiller et de stimuler l'intérêt du client. Déjà de voir s'il a le même langage. Ensuite, on va essayer de comprendre et d'identifier les opportunités. Donc pour pouvoir comprendre ces opportunités, il faut déjà savoir le travail qu'il réalise. Les solutions existantes, puisque comme on l'a dit aussi précédemment, des solutions de digitalisation existent, d'accord, c'est pas nouveau. Donc il faut savoir les identifier, de voir effectivement qu'est-ce qui est en frustration et qu'est-ce qui donne aussi du gain et de la satisfaction, de telle façon après de pouvoir guider et accompagner le client sur des solutions au regard de ses besoins. Et bien sûr, un des éléments qui est très important, c'est le transfert ensuite de connaissances vers les équipes, afin qu'ils puissent d'une part maintenir en condition opérationnelle ces équipements.
Donc pour cela, on a mis en place sur la partie éveillée, donc on a une formation qui permet d'appréhender la digitalisation au sein d'une activité au travers d'ADB. Derrière, on est capable, on dispose d'un showroom en association avec le CEA qui s'appelle le DEX, qui permet de montrer toutes les solutions. Et ensuite, il faut rentrer ce qu'on appelle en atelier de proposition de valeur et en solution de design. D'accord, là, on va rentrer dans la technologie de telle façon à pouvoir passer en fait de la théorie à l'acte. Là, on a un exemple très simple. J'ai pu prendre des exemples donc, réels hein, qui ont été réalisés par Siemens. Donc, dans l'industrie chimique, l'objectif était de doubler effectivement les rendements, de transformer de la R&D en... Alors, on a toute une règle réglementaire qui est mise en place dans l'industrie chimie et donc de pouvoir effectivement la digitaliser. Et donc ça a été fait effectivement au travers d'un consulting. On a mis en place, d'une part, on a compris, on a essayé ensuite on a planifié, on a mis en place le lancement du projet. Donc aujourd'hui, on est sur une feuille de route de 3 ans avec eux, de telle façon à pouvoir arriver aux objectifs qui étaient fournis. Vous avez ensuite la deuxième partie qui est l'implémentation. Donc dans cette implémentation, ici, on va retrouver effectivement les bénéfices notamment du jumeau numérique. Donc vous savez qu'aujourd'hui, c'est simple, on est à peu près séquentiel, hein, on a la conception mécanique, derrière on passe à la conception électrique, ensuite à la création du logiciel. Dans la plupart des cas c'est séquentiel, bon, ou semi-séquentiel, ça peut se chevaucher aussi. Derrière on effectue la mise en place en fait, d'une machine prototype, et à la fin on fait son exploitation et sa mise en service. Donc on voit que l'objectif c'est de pouvoir réduire le temps de mise en service et de faire en sorte qu'ensuite l'exploitation soit beaucoup plus efficiente. Donc aujourd'hui, alors ceux qui sont déjà dans le jumeau numérique, il faut inverser les mots, hein, c'est puisqu'ils sont déjà aujourd'hui dans le jumeau numérique et demain ils seront dans l'exploitation. Et ceux qui ne l'ont pas encore abordé, ils sont toujours aujourd'hui et il faut qu'ils passent à demain. Donc on utilise ce qu'on appelle aujourd'hui les jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on est capable de faire la conception mécanique, électrique et la partie programme de façon simultanée. C'est un moment fort puisque c'est le moment où on va dire pratiquement le mécanicien et l'automaticien discutent ensemble. D'ailleurs, on en déduit ce qu'on appelle un virtual commissioning, donc un jumeau numérique. Alors, un des points qui est essentiel, c'est que là, on est en plein Covid. On était en plein Covid déjà l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se déplacer. Donc, aujourd'hui, tous les constructeurs de machines qui sont passés en virtual commissioning ont pu, à distance, montrer à leur client final déjà le rendu final de cette machine. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, auparavant, on était obligé de construire un prototype. Là, on a le deuxième effet qui se coule, on va dire, de l'effet Covid, qui est le manque de composants. Donc là aussi, la virtualisation évite justement d'accord, de mettre en place une machine réelle prototype. Donc achat de matériel, éventuellement là aujourd'hui bien sûr retard, hein, puisque composants non livrés ou matières premières plus existantes. Donc là aussi, on va grâce au jumeau numérique, être un accélérateur de la mise en service et par la suite de son exploitation. Et pourquoi son exploitation? Puisque dans la mesure où on a un jumeau numérique, on va pouvoir ensuite effectuer des modifications au fur et à mesure et faire vivre en fait ce jumeau numérique et de commencer à envoyer effectivement directement les modifications au sein de la machine réelle. Donc des exemples très simples. Dans le domaine du pneumatique, donc je parle des pneus, on a mis en place effectivement le jumeau numérique d'une machine afin de pouvoir faire sa modification en temps réel. Pour l'instant, on a utilisé des solutions telles que NXMCD, hein, qu'on trouve côté PLM, DI Software, CIMIT qui va permettre de simuler le procédé et PLC SIM qui va permettre de lier l'automate à ce CAD d'accord, qui est aujourd'hui simulé. Le deuxième, un autre exemple, pour un constructeur automobile, on a mis en place un jumeau numérique, mais pour la formation. Donc ce jumeau numérique, aujourd'hui, c'est un jumeau numérique qui permet effectivement de mettre en place les métiers de la manutention. Alors, durant le Covid, ça leur a servi, puisque toutes les usines mondiales ont été formées au travers donc, de ces simulateurs avant de passer sur la solution réelle. Donc on remarque que le jumeau numérique peut aussi servir pour la formation, avec une génération de panne automatique. Le dernier point, c'est l'optimisation. Donc derrière, on sait qu'il faut collecter les données. Donc on va pouvoir collecter et bien sûr analyser les données. Donc pour ça, on va utiliser les technologies soit Edge, soit Cloud, ce qu'on appelle le IIoT. Mais on va les utiliser à quelle fin? Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne met pas en fait, de l'IoT pour collecter une donnée. On en fait quoi? Donc il faut repartir sur le cas d'usage du client. Donc il y a différents types de cas d'usage. Soit il a besoin de connaître sa disponibilité machine, il a besoin de performance de production, il a besoin de qualité, il a besoin de maintenance prévisionnelle, ce qu'on appelle le predictive maintenance en anglais, ou il a besoin donc, d'analyser sa consommation d'énergie. Donc aujourd'hui, la digitalisation passe par l'analyse du cas d'usage.
Et là, on va vous montrer des exemples très simples. Dans l'industrie, on retrouve ici dans l'industrie laitière, où ils avaient une problématique d'augmenter leur TRS, donc le taux de disponibilité. Donc on a mis en place un jumeau numérique de la performance, une remontée d'informations et une application orientée intelligence artificielle. Et là, on est capable, en fait, de ce qu'on appelle on est capable de faire des pronostics sur le meilleur paramétrage à mettre en place afin d'éviter justement les incidents. Si on prend un autre exemple, ici, on est dans la plasturgie, où derrière, donc, il y avait une remontée d'informations pour augmenter là aussi le gain de productivité et la disponibilité de chaque machine au sein de l'opérateur. On a mis en place aussi de l'IA là sur la partie maintenance, predictive maintenance ou maintenance prévisionnelle, où là on a supervisé donc une machine-outil. L'objectif était de pouvoir prédire les anomalies sur des axes. Et aujourd'hui, on est capable, au travers de l'algorithme qu'on a mis en place, de pouvoir prédire aussi la casse d'outils. Donc on voit globalement, dans tous ces différents cas, la digitalisation permet d'apporter, au travers du cas d'usage, une valeur ajoutée à la problématique du client. Et pour terminer, l'efficacité énergétique, puisque là on avait une demande de réduction de consommation d'énergie sur différents systèmes, notamment on va retrouver donc les problèmes de récupération de chaleur, les problèmes effectivement de surveillance de compression d'air, ensuite tout ce qui tourne autour de la performance énergétique globale. Et là aujourd'hui, cet outil nous permet effectivement d'avoir une supervision globale et une réduction des coûts d'énergie. Voilà, aujourd'hui c'est qu'un début, comme on dit, hein, puisqu'il y a d'autres sujets tels que les blockchains, tels que le stockage de l'énergie, etc. Mais comme je dis toujours, hein, tout s'apprend, mais tout s'apprend du temps, et on a besoin des écoles pour ça, pour avoir le socle de connaissances de base, et ensuite, comme on l'a dit, hein, c'est l'entreprise qui va apporter le reste, d'accord, au sein des étudiants. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation très intéressante. Et effectivement, on va pouvoir passer maintenant à notre offre, à l'offre qu'on met à disposition de vous en tant qu'enseignant, centre de formation. Donc, comment on va pouvoir s'adapter à ces changements et comment nous, Siemens, on vous accompagne sur ces nouvelles technologies. Voilà, et j'invite mes deux acolytes à venir me rejoindre. Eh bien voilà, nous voilà avec Johan Mesmin et l'IS à nouveau pour vous parler de notre offre à destination de l'enseignement. Bonjour messieurs. Bonjour Anne. Rebonjour. Très bien. Eh bien écoutez, on y va. L'IS, je te laisse la parole. Tu connais l'offre aussi bien que moi, donc vas-y, fais-toi plaisir. Merci Anne. Donc effectivement, on va aborder l'offre Siemens Education, donc SCI. Alors tout d'abord, qu'est-ce que SCI ? SCI, c'est Siemens Cooperates with Education. Donc tout est dans le titre. On est effectivement sur une coopération entre Siemens et le monde de l'éducation. Siemens, en tant que leader, souhaite favoriser la recherche et l'enseignement des nouvelles technologies. Et pour cela, le programme SCI met tout en œuvre pour favoriser l'ensemble du monde académique pour l'acquisition de nouvelles technologies et de techniques. Nous avons une plateforme dédiée pour cette offre SCI, siemens.fr/enseignement. Alors je vais le répéter assez souvent pour que vous alliez bien dessus, puisque tout le contenu de notre offre est présent sur ce site. Et vous avez donc à l'image l'ensemble des actions que la plateforme SCI aborde. Donc on va avoir des dossiers pédagogiques, on va avoir des partenariats, des cours, des packages de formation, des programmes de certification, ainsi qu'une assistance qui sera mise à disposition. Nous allons voir l'ensemble de ces points dans les différents slides tout au long de cette présentation. Donc tout d'abord, le public cible. Eh bien, le public cible, c'est vous, bien évidemment, les établissements de formation, les professeurs, les DDFPT, les directeurs d'établissements, de tout type d'établissements, allant du lycée jusqu'au BTS, aux universités, aux IUT, les écoles d'ingénieurs et bien évidemment les centres d'apprentissage également et de formation. La gamme de produits systèmes est très variée. On essaie d'inclure le plus possible l'ensemble du catalogue Siemens à tarif bien évidemment préférentiel pour que ce soit beaucoup plus accessible pour le monde de l'enseignement. Et donc comme vous le voyez, on a une gamme très large hein, qui va des automates en passant par du contrôle commande, en passant par des capteurs.
On a également toutes nos solutions software, on a de la variation de vitesse. Donc c'est vraiment très large et on a un panel assez complet des technologies que l'on propose pour l'éducation. Vous voyez affichée à l'écran donc, l'architecture complète matérielle. Alors cette image est directement tirée du PDF que vous retrouverez sur le site internet siemens.fr/enseignement. Vous pouvez donc voir l'ensemble des communications entre nos différentes technologies, en Profibus, en Profinet. Et en cliquant sur ce document, vous récupérez l'ensemble des informations sur ce qui vous intéresse. À titre d'exemple, vous pouvez cliquer sur Simatic PCS7. Ça vous enverra directement sur toute une partie d'informations sur l'ensemble de nos références et du contenu de ces packages didactiques à destination de l'enseignement. Nous proposons également toute une gamme de solutions de commandes numériques, excusez-moi, donc avec notamment notre application Sinutrain. N'hésitez pas également à faire le tour, encore une fois, sur siemens.fr/enseignement pour plus d'informations. Avec l'ensemble de ces packages matériels, SII, on essaye de faire en sorte d'apporter toutes les dernières technologies pour le monde de l'enseignement. Nous mettons régulièrement à jour ce catalogue et vous voyez affiché à l'écran notamment les dernières nouveautés qui ont été ajoutées à ce dernier. Donc une à deux fois par an, on va fréquemment faire des mises à jour, que ce soit matériel ou logiciel aussi, en fonction des mises à jour, bien entendu. Avec une grande nouveauté qui est arrivée cette année, c'est la fusion des licences d'Anteia Portal, de StepSet et WinCC. Oui, si je peux intervenir juste sur cet aspect-là. Effectivement, comme Lies le dit, on est dans une logique de mise à jour où on suit non seulement la technologie, mais aussi les versions que nos clients industriels utilisent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité et une adéquation entre ce qui est fait au niveau industriel et ce qui est fait au niveau académique. Vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que les jeunes vont arriver formés, grâce à vous, avec nos solutions Siemens, ils seront dans l'industrie, capable d'être opérationnel beaucoup plus rapidement qu'auparavant, où ils pouvaient peut-être apprendre sur d'autres types de matériel. Donc c'est vrai que Siemens, c'est une représentativité très très large au niveau industriel. Souvent, on n'imagine pas que Siemens est aussi présent et tant présent sur le territoire français. On l'est, et c'est pour ça que c'est vraiment un gage de qualité et d'assurance pour vous que de travailler avec Siemens, c'est ouvrir beaucoup plus de portes pour les jeunes qui arrivent dans le marché du travail. Voilà. Merci Anne pour ces précisions. Nous allons maintenant aborder la partie des programmes de certification. Donc, parfaite transition du coup, Anne, hein, merci beaucoup. Nous avons deux niveaux désormais de certification. Donc, un niveau déjà bien implanté, Bac+3, qui va être orienté sur de l'automatisme, sur de la programmation, qui va aborder différents thèmes, comme la variation de vitesse, la mesure énergétique, la programmation automate. Et on a un tout nouveau programme qu'on a concocté spécialement pour cette édition d'ailleurs, dont je ferai la présentation cet après-midi pour ceux qui se sont inscrits, qui est basé sur la nouvelle nomenclature du Bac Pro MSPC et qui sera cette fois-ci plus orienté maintenance pour comprendre et paramétrer l'ensemble des solutions Siemens et assurer un premier niveau de maintenance. L'objectif, tu veux ajouter quelque chose, Anne ? Non, j'allais juste te demander comment ça se passait la certification finalement. Eh bien, on y vient tout de suite. Cette certification donc, se déroule sur une même structure, alors que ce soit pour la certification Bac professionnel ou Bac+2. Nous avons ces quatre axes qui sont toujours à la base du programme de certification. Donc, nous avons notamment la plateforme de certification. Donc, c'est là que tout se passe pour les professeurs pour bénéficier et faire bénéficier à leurs étudiants de la certification professionnalisante Siemens. Vous avez accès à cette plateforme, ce qui vous permettra de créer vos sessions et tout se passe ensuite par Internet et afin de faciliter le plus possible les processus de certification pour vos étudiants. Nous incluons également systématiquement des packages matériels. Alors on va en avoir de deux sortes différentes, soit vous récupérez des kits matériels et vous faites vous-même, selon votre pédagogie, une partie opérative. Où vous avez également la possibilité de récupérer une partie opérative toute faite par nos partenaires, avec une pédagogie déjà réfléchie dans le cadre du programme de certification. À cela s'ajoutent de nombreux supports de cours, donc qui vont venir complémenter le matériel et cette plateforme de certification. Donc vous, en tant qu'enseignant, même si vous n'êtes pas forcément familier avec les technologies Siemens,
vous aurez un grand nombre de supports de cours sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour les inclure dans votre pédagogie. Vous avez également des travaux pratiques déjà tout prêts. Et vous avez en tout cas toute la documentation nécessaire pour pouvoir faire cours sur ces technologies, que vous soyez déjà expert Siemens ou que vous soyez en période d'apprentissage de ces technologies. Accompagné de cela, on a également une formation et de l'assistance donc, qui va être dédiée aux enseignants. Idem pour les formations, c'est des formations un petit peu, on peut le dire, hein, je pense, sur mesure. Complètement sur mesure, effectivement, oui. C'est ça, selon le niveau et selon les attentes aussi des enseignants. Donc on saura toujours s'adapter à votre niveau de compétence et à ce que vous recherchez à savoir en fonction des acquis que vous avez déjà. Oui, effectivement, on a la chance d'être accompagné d'un professeur donc, qui a le sens de la pédagogie, qui est aussi expert sur les équipements Siemens et qui apporte un niveau de qualité vraiment très, très important. Et on est, je le remercie d'ailleurs, Michel, si tu m'écoutes, un grand, grand merci. Parce qu'effectivement, grâce à toi et puis grâce aux cours que tu mets en place, on a la chance d'avoir des enseignants qui sont satisfaits et qui voient que appréhender Siemens, c'est simple. Et c'est surtout très facile d'accès et d'utilisation dans la durée. Donc vraiment un grand merci. Je rejoins effectivement. Merci Michel, qui animera avec moi d'ailleurs la présentation de cet après-midi. Nous avons aussi la chance également d'avoir de nombreux partenaires, fabricants de matériel pédagogique et aussi créateurs de solutions à partir de nos solutions à nous Siemens. L'avantage de travailler avec ces partenaires, dont vous retrouverez la plupart d'ailleurs cet après-midi lors des ateliers, permet d'utiliser une machine didactique donc clé en main. Donc, comme je vous disais dans la logique précédente, dans un cadre de certification, vous pouvez faire l'acquisition directement d'une machine toute préparée et toute pensée dans le cadre du programme de certification. L'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir des machines didactiques qui peuvent être utilisées dans un contexte très précis et permet une intégration peut-être parfois un peu plus facile dans le monde de Siemens, étant donné que tout a déjà été préconçu et favorise l'apprentissage. Oui, effectivement. Et puis pour compléter le propos de l'IS, on a des partenaires fabricants de matériel que vous connaissez forcément, hein, ERM, Didalab, ACE. J'en passe et excusez-moi de vous passer. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas, je ne vous mets pas à l'amende. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fabricants qui utilisent nos matériels, qui les intègrent et qui offrent donc à vous, enseignants, des plateformes, des parties opératives toutes conçues. Et il y en a de plus en plus, en fait. C'est qu'effectivement, vous êtes de plus en plus à demander du Siemens. Et pour ça, on vous en remercie aussi. C'est qu'on voit que le territoire est en train de changer. Et vraiment, je pense que, comme on l'a dit auparavant, avec Pierre Guérin, avec Agro Mousquetaire, avec Thierry et puis les autres, Siemens est représentatif. Vraiment, j'insiste sur cet aspect-là. C'est vraiment important qu'on le passe. Et Johan, tout à l'heure, va vous faire une présentation des solutions DISW, donc des logiciels. Et c'est pareil, il y a une très grande représentativité des solutions logicielles de Siemens dans l'industrie. Donc, je voulais remercier aussi nos partenaires donc, qui nous font confiance sur la fabrication de matériel pédagogique. Et vous dire que ensemble, on va aller conquérir encore plus d'établissements. Et il faut aussi songer à faire en sorte de renouveler vos matériels. Vous êtes dotés de budget, d'enveloppes budgétaires. Utilisez-les parce qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui. On l'a entendu avant pendant les précédentes keynotes. Il y a un enjeu de coller aux besoins des industriels. Et pour ça, vous avez besoin de repenser vos ateliers techniques. C'est vraiment important, j'insiste sur ce point-là, parce que sans ça, vous allez faire apprendre à des jeunes des technologies qui sont malheureusement un peu obsolètes, qui ne représentent pas du tout le terrain de l'industrie. Et il y a une fracture qui s'opère entre le monde académique et le monde industriel. Et pour faire en sorte de mailler encore mieux les choses, il est nécessaire que les ateliers, vos plateaux techniques évoluent et représentent le vrai visage de l'industrie. Voilà, c'était les messages que je voulais faire passer sur cette présentation, sur cette slide-là. Merci Anne.
Et donc, nous allons maintenant voir la formation et l'assistance. Donc, comme je vous disais, on est toujours sur notre logique des actions que vous retrouverez sur notre site siemens.fr/enseignement. Et donc, évidemment, nous vous accompagnons, même en dehors du programme de certification, dans le cadre de formations qui seront dispensées par des experts Siemens dans le cadre du Citrain, donc qui est notre centre de formation d'experts. Et donc, vous pouvez avoir des formations sur toutes les technologies, bien évidemment, que l'on propose et pour tout niveau. Donc, même pour des niveaux avancés, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans vos connaissances, vous pouvez faire appel au Citrain. Oui, effectivement. Alors, je rebondis juste sur cet aspect-là. Laurent, tout à l'heure, anime un atelier, Laurent Mismac que vous venez de voir, anime un atelier sur le Citrain, justement, sur la digitalisation et sur les formations disponibles pour vous en tant qu'enseignant. En plus, on a essayé de faire en sorte de négocier. Ce n'est pas toujours évident chez Siemens, mais en tout cas, on a réussi à vous donner des prix avantageux pour le Citrain et pour faire en sorte que vous ayez accès à ce savoir up-to-date, directement disponible via notre centre Citrain, donc effectivement, qui est une référence en termes de qualité de formation dispensée. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le site du Citrain. Et puis cet après-midi, si vous avez envie, il y a un atelier en fin de journée, si je ne dis pas de bêtises, qui concerne ce sujet-là. Et donc, dans cette formation et dans cette assistance, on vous retrouverez également donc, sur notre site internet de nombreux supports pédagogiques disponibles, donc avec des cours déjà préfaits et des TP donc préparés pour les étudiants. Et l'ensemble de cette documentation, bien évidemment, est à destination du monde enseignant et qui peut être appliqué immédiatement. Je vais laisser la parole à Anne, du coup, pour les World Skills. Oui, bah écoutez, vous avez vu Olivier en tout début lors de la keynote d'ouverture. Donc, on est partenaire des World Skills. Siemens au niveau international, donc Siemens HQ en Allemagne, est partenaire officiel des World Skills, c'est-à-dire qu'on accompagne les jeunes dans leurs compétitions au niveau international et mondial, européen, pardon, et mondial. Donc, vous l'avez appris tout à l'heure, les prochaines compétitions internationales et mondiales, européennes et mondiales, décidément, interviendront à Lyon en 2024. Ça a été décalé d'une année, ça devait être 2023, mais avec le Covid, ça a été décalé à 2024. Donc là, une énorme manifestation, un peu les images que vous avez pu voir à la pause et en amont. Vraiment une belle image pour l'industrie en général. Et puis pour Siemens, aujourd'hui un peu absent au niveau France, en tout cas, il faut le dire. On est en train de travailler de plus en plus avec les World Skills pour qu'on puisse avoir des solutions directement disponibles dès les finales France pour éviter finalement qu'un compétiteur français au niveau national travaille avec des solutions d'une marque autre et puis ensuite passe sur les finales européennes et internationales avec du Siemens et de faire en sorte finalement d'avoir une continuité sur des équipements forts de la marque. Je pense à l'automatisme, à la variation de vitesse et puis potentiellement aussi à des aspects liés à la connectivité et puis les aspects liés à la variation aux commandes numériques, etc. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais on souhaite vraiment avoir cette continuité depuis les finales nationales où vous allez vous entraîner avec des équipements Siemens pour ensuite vous entraîner encore plus, c'est-à-dire devenir expert, vous perfectionner sur les finales européennes et international. Voilà, ça c'est vraiment les messages qui sont importants à faire passer. Je propose maintenant que Johan, tu nous détailles un peu plus finalement les solutions digitales qu'on peut proposer. Merci Anne, bien sûr. Donc, Johan Mesmin, je suis responsable du business development chez Siemens Digital Industry Software, l'entité de Siemens qui est dédiée à la commercialisation et au développement des logiciels de simulation numérique. Donc aujourd'hui, la gamme de produits développée et commercialisée par Siemens Digital Industry Software se nomme Xcelerator pour favoriser et accompagner la transformation numérique chez l'ensemble de nos clients industriels. Derrière Xcelerator, on va retrouver trois piliers principaux que sont le design, l'aide à la conception, la réalisation, l'aide à la production et l'optimisation et la collaboration. Donc ces trois piliers vont s'appuyer sur 8
8 thématiques que vous allez retrouver autour de cette roue accélérateur. Donc ces 8 thématiques sont la conception mécanique qu'on adresse aujourd'hui avec des solutions logicielles comme NX, Solid Edge, FiberSim pour la partie composite. La conception électronique, donc Siemens a fait l'acquisition il y a maintenant 4 ans de la société Mentor Graphics et elle va avoir un portefeuille de solutions qui vont être capables d'adresser l'ensemble des challenges associés à cette partie électronique. Ensuite, on va retrouver la thématique simulation. Donc, via sa plateforme SimCenter, Siemens propose une plateforme de simulation multiphysique, une plateforme de simulation 3D qui va adresser différentes thématiques comme l'optimisation, l'acoustique, le calcul de structure et tout ce qui est lié au challenge dans les bureaux d'études et dans les équipes d'innovation au niveau jumeau numérique du produit. Ensuite, on va basculer sur une thématique orientée plutôt production avec une offre manufacturing qui va décliner différentes thématiques comme l'usinage, comme l'optimisation des flux, l'ergonomie au poste de travail, mais j'y reviendrai par la suite. Ensuite, on va être sur la thématique opération, donc via une offre logicielle dédiée à tout ce qui est supervision de l'outil de production, connexion avec l'automate. Siemens va proposer des solutions pour l'ordonnancement, la planification, le MES, l'analyse qualité, qui vont être directement implémentées et intégrées dans l'outil de production. Ensuite, une thématique en lien avec l'IoT, donc Laurent en a parlé tout à l'heure, mais la data est le cœur de la transformation numérique aujourd'hui, et l'IoT fait partie des sujets d'actualité et des logiciels sur lesquels Siemens se positionne avec la solution MindSphere. Avant-dernière thématique, l'applicatif. Donc Siemens a fait l'acquisition il y a maintenant 2 ans de la société Mendix, une société dédiée à tout ce qui est développement d'applicatifs qui va permettre de développer des interfaces métiers spécifiques en lien avec un besoin en agilité, en flexibilité des industriels. Si je peux me permettre, on a un atelier cet après-midi dessus. Exactement, il y a différents ateliers sur différentes thématiques que je viens de mentionner, donc je vous invite à consulter l'agenda Mendix, il y a un atelier dédié qui sera animé par mon collègue Benoît Simonnet. Et la dernière thématique, c'est la collaboration, évidemment. Quand on parle de transformation numérique, on a besoin d'avoir cet aspect continuité numérique et donc d'offrir à nos clients les passerelles, les solutions qui vont permettre de faciliter les transferts d'informations entre les différentes équipes dans un même projet. Et donc ici, on va retrouver des solutions PLM, comme TeamCenter. Donc pour reprendre un petit peu ce discours, donc ce chart est plus animé. Donc vous allez voir en fait quelques représentations des solutions que Siemens peut proposer. Donc on va être dans un premier temps, on va adresser le jumeau numérique du produit, comme je disais tout à l'heure. Donc on va offrir des solutions tant au niveau design que simulation pour accompagner sur toutes les thématiques, tous les challenges associés à cette partie bureau d'études, des logiciels qui vont accompagner nos clients dans la réalisation, dans le développement du jumeau numérique du produit. Ensuite, on va passer à la production. Donc, Siemens va proposer des logiciels qui vont permettre d'accompagner nos clients sur le développement du jumeau numérique de l'outil de production. Donc, comment je produis mon produit? Donc, comment je vais pouvoir modéliser au mieux les flux de production? Donc, on va avoir différents niveaux de représentation de l'outil de production, un niveau macroscopique au niveau usine. On va pouvoir descendre à un niveau ligne ou un niveau machine et tout ça connectable à l'automate pour adresser ce qu'on appelle le virtual commissioning. Donc ici, on s'intéresse vraiment à proposer des solutions qui vont accompagner nos clients dans l'optimisation de l'outil de production. Enfin, le troisième pilier est la performance. Hein. Donc, c'est la production en temps réel. Donc, c'est comment j'instrumente aujourd'hui mon outil de production, comment je déploie des solutions qui vont permettre d'aller aider l'opérateur de l'opérateur ou le responsable production ou le responsable qualité à pouvoir superviser son outil de production et pouvoir répondre à un besoin en termes d'agilité, de flexibilité et de pouvoir donc contrôler au quotidien sa production. Donc tout ça en fait est connecté, bien évidemment, on a parlé de la donnée tout à l'heure avec Laurent, toutes ces informations vont être connectées et cette donnée va être réinjectée au niveau des différents jumeaux numériques, que ce soit au niveau du produit ou de la production, car aujourd'hui la notion de jumeau numérique, c'est de pouvoir réexploiter tout au long du cycle de vie de conception d'un produit, tout au long de sa durée de vie, de pouvoir réexploiter son modèle virtuel pour pouvoir l'utiliser. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un jumeau numérique. Et toute cette différente chaîne de produits va être, bien évidemment, la notion de plateforme collaborative est importante pour pouvoir avoir cette capacité à pouvoir faciliter les échanges d'informations entre les différentes étapes successives de développement de mon produit. Donc,
Aujourd'hui, toutes ces solutions vont permettre d'aller adresser différentes industries. La particularité de l'offre Siemens, c'est de pouvoir s'adapter aux challenges de différentes industries. Donc ce slide vous représente un ensemble d'industries sur lesquelles on travaille régulièrement pour pouvoir positionner nos solutions et accompagner nos clients dans leur transformation numérique, que ce soit au niveau, comme j'ai dit, produit, production ou process, avec à gauche donc les industries beaucoup plus orientées process, donc on va retrouver le secteur agroalimentaire par exemple, le secteur chimie, pharmaceutique, à droite la partie, les parties beaucoup plus discrètes avec l'automobile et l'aéronautique, et au centre les industries qu'on appelle hybrides comme la batterie ou le pneumatique. Donc nos solutions vont permettre d'aller vraiment accompagner nos clients tout au long de leur transformation numérique avec des besoins spécifiques en fonction de l'industrie. Donc aujourd'hui, on a décliné cette offre logicielle pour l'industrie en l'adaptant via un programme qu'on a appelé Academia 4.0. Hein, en s'appuyant sur des partenaires universitaires et des industriels, on a développé tout un programme spécifique pour pouvoir accompagner les étudiants et les éducateurs à la prise en main de nos solutions avec des tutoriels et des supports qui vont répondre vraiment aux besoins de l'industrie. Donc, c'est une plateforme d'échange, une plateforme d'information sur laquelle on va retrouver tous les sujets que j'ai précédemment mentionnés, la CAO, le design, le PLM, la simulation, tout ce qui est lié au challenge dans le secteur électronique, avec un ensemble de cours, plus de 5000 ressources d'apprentissage qui ont été développées, co-développées avec des partenaires universitaires, qui vont être accessibles directement en ligne 24 heures sur 24 pour faire de l'apprentissage autodidacte et donner à nos clients universitaires, au secteur académique, au secteur de l'éducation, des supports de cours pour leur permettre de très vite prendre en main nos solutions et d'avoir des supports qui vont être adaptés aux challenges industriels. Donc aujourd'hui, comme j'ai parlé d'accélérateur en introduction, hein, on a décliné l'offre accélérateur avec la capacité de pouvoir adresser des filières. On retrouve souvent dans les secteurs académiques, des filières spécifiques qui vont permettre d'aller adresser les besoins d'une industrie. Donc ces filières, on a indexé ces filières avec des logiciels qui nous semblent importants dans la transformation numérique de ces industries. Donc on a une filière aéronautique, une filière mécanique, une filière automobile qui va permettre d'accompagner en fait les étudiants et les éducateurs via des solutions qui ont déjà été pré-sélectionnées pour répondre à des besoins spécifiques en termes de transformation du secteur industriel et l'adosser et le rendre compatible avec les formations au niveau éducation. Donc pour ça, on a évidemment des sites internet sur lesquels je vous invite à aller. Comme le disait Lies tout à l'heure, vous avez en bas le lien vers le site externe où vous pouvez accéder directement à l'offre académique Siemens Digital Industry Software. Donc vous avez un ensemble de logiciels qui vont être accessibles pour les étudiants et qui vont être directement de manière gratuite, qui vont pouvoir être utilisés et testés par les étudiants et les éducateurs. Bien évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je réinsiste sur ce point. On a co-développé avec du personnel académique, avec des industriels, des programmes de cours complets, avec des données, avec des tutoriels, avec tout un support vraiment très facile à prendre en main pour vous accompagner sur plein de thèmes, pour vous aider à prendre en main ces logiciels via des thématiques vraiment qui sont en lien avec les besoins du secteur industriel. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes ici qui... Bon, j'en ai pioché quelques-unes, hein. Ce n'est pas une vue exhaustive de tout ce qui est présent, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de 5000 accès ou 5000 supports de cours, mais ici j'en ai sélectionné quelques-unes, hein. Donc de la conception par exemple avec le logiciel NX, donc on a un tuto pour vous accompagner sur la prise en main de la partie NX CAD. La fabrication additive, aujourd'hui, un sujet qui est d'actualité, énormément d'actualité côté industriel et qu'on va retrouver également au niveau de l'éducation. Donc ici, on a un tutoriel dédié à la fabrication additive. Des formations beaucoup plus spécifiques, hein, comme la prise en main d'un code comme StarCCM+, pour tout ce qui est calcul CFD, la prise en main d'un logiciel de SimCenter AmSim, développé en France, entre parenthèses, à Lyon et Roanne, donc pour tout ce qui est dimensionnement d'un système hydraulique. Des tutoriaux aussi, un tutoriel également sur la partie production pour tout ce qui est optimisation des flux. Aujourd'hui, on parle d'agilité, de flexibilité de l'outil de production. Le logiciel plan de simulation répond à 100% au challenge des industries sur ce sujet-là. Et enfin, par exemple, un support de formation beaucoup plus orienté composite, par exemple, avec l'utilisation du logiciel FiberSim. Donc, je vous invite à vous balader sur ce site, à piocher directement. Vous avez juste à sélectionner, à saisir votre nom et vos coordonnées. Vous allez avoir accès directement à
un répertoire où vous allez avoir des données et tout un support de cours pour prendre en main la solution. Un autre point aussi important, c'est la communauté. On a créé une communauté pour permettre à chacun d'échanger dans des forums et poser des questions en lien avec un support de cours, en lien avec un besoin spécifique, en lien avec un produit, et donc permettre à la communauté académique de pouvoir dialoguer directement via cet environnement et ce forum. Juste un petit point aussi sur les concours. Anne en a parlé tout à l'heure, mais Siemens parraine énormément de concours pour aider, pour utiliser, pour faciliter la créativité des étudiants. Hein, la créativité et l'innovation est aujourd'hui souvent chez les jeunes. Et les jeunes, aujourd'hui, pour les accompagner dans ces challenges, on parraine différents concours à travers le monde, que ce soit au niveau de l'automobile, de l'aéronautique, de la robotique. Ici, vous avez quelques exemples de parrainages qui ont été effectués par Siemens. Ils sont accessibles en ligne, vous pouvez regarder, vous pouvez aussi vous proposer de participer en tant qu'école française à ces challenges, à ces concours. Et donc Siemens finance et parraine un grand nombre de concours à travers le monde pour accompagner la recherche et pour accompagner la créativité du secteur académique sur des sujets qui sont des sujets en lien avec les challenges industriels également. Un exemple concret d'utilisation de nos solutions, hein, j'ai pris l'Université catholique de Louvain en Belgique qui utilise aujourd'hui toutes nos plateformes pour faciliter, que ce soit la partie CAO, la partie usinage ou la partie travail collaboratif. Les étudiants aujourd'hui sont vraiment immergés dans un contexte industriel. C'est vraiment l'idée, hein, de l'éducation de demain, de pouvoir utiliser des solutions logicielles pour que les étudiants se soient dans un environnement qui va ressembler au mieux à l'environnement industriel et à la réalité du terrain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc l'Université catholique de Louvain a fait le choix d'homogénéiser avec toutes les solutions Siemens ses cours, c'est son enseignement. Pardon. Et donc, en conclusion, Anne, l'offre Academia 4.0 est vraiment, cette image est parlante, hein, c'est pour boucher le gap, hein, le trou, on va dire, entre le monde éducatif et le monde industriel, et de pouvoir fournir des logiciels de qualité, évidemment, des logiciels éprouvés et approuvés au niveau de l'industrie, mais également des programmes de formation qui ont été développés en collaboration avec du personnel pédagogique, mais en collaboration également avec des industriels, et qui vont être complètement alignés avec les challenges en termes d'innovation de l'académie et donc de l'industrie également. Voilà, voilà pour moi. Eh ben merci beaucoup, Johan Lies. On voit qu'effectivement, on œuvre, en tout cas, Siemens œuvre pour effectivement combler ce gap, faire en sorte qu'on arrive à monter la marche et que tous ensemble, collectivement, on arrive à faire en sorte que les étudiants, les jeunes, le vivier de jeunes professionnels puissent avoir tous les outils en main, toutes les cartes en main pour réussir leur entrée dans le marché du travail, être aussi rapidement opérationnel. Et ça, je pense que c'est l'un des mots-clés. Rendre les jeunes opérationnels avant même qu'ils ne soient rentrés sur le marché du travail. Donc ça, c'est un de vos enjeux, messieurs, mesdames, qui êtes derrière votre écran. Et puis, on va finir cette dernière partie de Siemens Education Day, puisque finalement le temps se passe relativement vite. On arrive sur notre dernière partie, donc avec un témoignage où là il nous a semblé intéressant et pertinent que de vous montrer quels étaient les liens qui existaient déjà entre des entreprises et là en l'occurrence un IUT. Et donc on va accueillir deux personnes sur le plateau, voilà, donc pour renforcer les liens école-entreprise, un duo gagnant. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène avec moi Bruno et François. Bonjour Bruno, bonjour François. Bonjour Anne. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, oui. Vous avez fait le trajet depuis l'Alsace, si je ne dis pas de bêtises, ou les Vosges même. Et la Lorraine. Ouais. Et la Lorraine, pardon. Exactement. Et donc je vous remercie à tous les deux d'être là avec moi aujourd'hui pour pouvoir parler donc du partenariat que vous avez mis en place il y a quelques temps. Voilà, ce que je vous propose de faire déjà, c'est peut-être de vous présenter, d'une part vous, qui vous êtes, et puis en l'occurrence votre IUT François et votre activité et votre entreprise Bruno. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec les aspects liés au partenariat que vous avez mis en place.
Je vous en Bonjour, prie, François. Moi, je me présente, moi, François de Villars. Je suis chef de département en génie électrique informatique industrielle. Donc, on a deux diplômes. Le DUT, déjà, le diplôme universitaire de technologie, et la licence professionnelle. Donc, l'IUT appartient à l'Université de Lorraine. Voilà, donc on est situé sur la carte, là, sur la carte des Vosges. On peut passer aux transparences suivantes. Merci. Donc, pour la formation donc, de génie électrique informatique industrielle, il y a deux diplômes. Donc, un diplôme à Bac plus 2, un Bac plus 3, avec des enseignements qui tournent autour du génie électrique et bien sûr informatique industrielle. Et disons qu'on a trouvé une forte coloration automatisme qui nous permet en fin de compte de faire pas mal d'heures d'enseignement et de pratique sur l'automatisme dans divers systèmes d'automatisme. À la fin des formations, il y a bien sûr un stage professionnel. On propose aussi aux étudiants la certification Siemens. Très bien. Bruno ? Bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Velten, président de Solutech. Donc, c'est qui Solutech ? Nous sommes une société de services en automatisme, informatique industrielle, vision, robotique et donc un peu plus récemment en conception de machines spéciales. On est basé à Rosheim, donc dans le Bas-Rhin. On travaille principalement sur le Grand Est, mais on dira plutôt l'Alsace, effectivement. Une clientèle d'industriels. À noter aussi que nous sommes Solution Partner Siemens depuis 2003. Et dans le cadre de ce partenariat, nous utilisons aussi bien la suite, le software du PLM, qui sont SolidEdge, NXMCD, TIA Portal, et tout ce qui est CIMIT et PLC SIM Advanced. Nous sommes actuellement 30 personnes et on réalise un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros. Vous allez voir maintenant j'ai sélectionné quelques clients différents dans l'agroalimentaire, dans l'équipementier, tout ça. Et vous voyez qu'il y a aussi Siemens qui apparaît. Donc à noter que nous travaillons aussi pour Siemens et pour le préciser aussi avec l'usine de Haguenau dont le DRH est intervenu avant. Donc effectivement, nous sommes aussi, c'est un de nos clients. Ok, très bien. Merci pour cette présentation à tous les deux. Si on rentre dans le vif du sujet, finalement, le sujet, c'est renforcer les liens, mais il me semble que les liens sont déjà forts pour vous. Depuis quand est-ce que vous travaillez ensemble ? Alors, nous, Solutech, on travaille avec l'IUT de Saint-Dié depuis 2005, à savoir que nous avons embauché les deux premiers salariés qui sont issus de la première promotion de licence pro-SARI, à savoir que ces deux salariés sont toujours chez nous. Donc, effectivement, les deux sont chefs de projet. Donc, actuellement, Solutech, on compte 30 salariés. On en a 11 en CDI de l'IUT de Saint-Dié. Donc, répartis un peu de la manière suivante, c'est 9 automaticiens sur un effectif de 13 et dont les deux chefs de projet. En fin de compte, on en avait plus. Il y en a aussi qui sont repartis. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Comme vous l'avez dit précédemment, on a le droit de travailler où on veut. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, donc on travaille depuis même pas mal d'années. Je pense que de toute façon, la création de la licence pro en 2003 chez nous finalement a permis de former des étudiants avec un profil d'automaticien qui intéressait beaucoup, je pense, Solutech. Et ça s'est fait progressivement. Enfin, je veux dire, au gré des stagiaires aussi et des gens qui ont été embauchés dans l'entreprise. Qu'est-ce qui a finalement poussé l'IUT de Saint-Dié et Solutech à nouer des relations privilégiées ? Vous travaillez depuis 2005. C'était quoi finalement l'élément fondateur et ensuite l'avis de ces relations privilégiées finalement ? Un des premiers points importants, c'est effectivement la proximité géographique entre nos deux établissements. On est à une heure de route entre les deux établissements. Après, effectivement, on a aussi, je ne le cache pas, une présélection des étudiants candidats par l'IUT pour Solutech, c'est-à-dire ils nous envoient, on va dire un peu les premiers de la classe, je ne devrais pas trop le dire, mais c'est comme ça. Et après, effectivement, nous, en tant que Solutech, quand j'ai des étudiants qui sont candidats pour l'apprentissage licence pro, je leur conseille fortement de s'inscrire à l'IUT de Saint-Dié. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 3 apprentis en licence pro SARI à l'IUT de Saint-Dié. Et je crois que, si je ne me trompe pas, ils nous écoutent en ce moment. J'ai bien compris. Bon, oui, donc du côté de l'UT, disons qu'on forme tout de même
les étudiants d'automatisme essentiellement sur du matériel Siemens, donc ce qui naturellement, au fil du temps, a intéressé Solutech. Bon, ça a débouché sur des stages réguliers, un accueil de stages réguliers, comme l'a dit Bruno, et des embauches lorsque la personne était vraiment intéressante pour la société. Donc, ça permet d'avoir des relations régulières et puis d'avoir de très bonnes relations. Voilà. Très bien. J'ai entendu parler du programme de certification Siemens que vous mettez en œuvre, François. C'est bien ça ? Oui, disons qu'on a mis en œuvre le programme de certification Siemens. Alors, c'est en troisième année, hein, donc en licence, où finalement les étudiants peuvent, sur la base du volontariat, passer l'examen. Ce n'est pas une obligation. Enfin bon, après, tous les enseignements, que ce soit en DUT ou en LP, sont faits sur la plateforme de certification. Ça garantit tout de même aux étudiants d'avoir un matériel qui soit à la page. C'était important pour vous, Bruno ? Cette certification importante des étudiants nous garantit, nous, un bon niveau de connaissance en automatisme et surtout sur les solutions des produits Siemens. À noter aussi, comme François l'a dit, cette certification, elle est nominative. Elle n'est pas pour l'ensemble de la promotion. Donc, c'est à la volonté des apprentis, effectivement, d'aller dans ce sens-là. Et nous avons, je crois d'ailleurs, le premier qui a été certifié dans l'équipe chez nous. Effectivement, maintenant l'année, je ne sais plus. Très bien. Et finalement, le partenariat, donc c'est un échange gagnant-gagnant. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre réciproquement pour faire en sorte que la relation perdure, en fait, qu'il y ait cette pérennité de relation ? Disons, en tant que Solutech, nous avons eu l'honneur de participer et nous y participons encore au conseil traitant des programmes et autres réunions de l'IUT. Donc effectivement, plus récemment, je vais bientôt faire partie du conseil d'administration. Logiquement, c'est voté cet après-midi à 16h. Donc j'y serai pas, je suis ici, mais bon, ça devrait se faire. Et effectivement, on a pu exprimer nos besoins en termes de formation disposée aux étudiants. Et donc nous, les industriels, avons été écoutés par l'IUT. Oui, donc nous, on a, avec les contacts qu'on a avec Solutech, finalement, ça nous a permis de faire évoluer la formation. C'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre de choses, que ce soit au niveau du DUT ou au niveau de la licence. Au niveau du DUT, on a ouvert il y a 4 ans un parcours Industrie 4.0 où sont abordés des thèmes comme la robotique, les clouds, derrière Manusphère, l'instrumentation à base d'IO-Link, et les MES, je ne pense pas avoir dit ça. Ensuite, au niveau de la LP, on a un parcours système contrôle commande avancé où finalement sont abordés un peu tout ce qui est les problèmes de pilotage des différents moteurs électriques. Voilà, donc un peu tous les efforts qu'on peut faire pour finalement que les étudiants soient vraiment opérationnels pour aller en entreprise. Très bien. Les bénéfices pour les uns et les autres, on imagine, on a entendu qu'il y avait des emplois à l'atelier. Disons d'une manière assez simple, du côté de Solutech, c'est une relation de confiance et de partenariat qui a été mise en place avec l'UIT. Oui, alors du côté de l'UIT, Solutech, finalement, les contacts qu'on a avec Solutech nous permettent de faire évoluer notre formation, de choisir les bons outils. Ça nous a permis aussi, Solutech aussi nous soutient dans toutes nos actions, c'est-à-dire par exemple, lorsqu'on a une évaluation pour les formations, finalement, ils nous ont toujours soutenus un peu dans la présentation un peu de nos résultats. Et lorsqu'on a un dépôt de projet d'équipement, par exemple, on a aussi eu leur soutien de manière à ce que finalement ça puisse passer. Voilà. Excusez-moi, il y a aussi des vacataires professionnels qui interviennent à l'UT. Et donc un des employés à l'heure actuelle intervient en automatisme, un employé de Solutech, bien sûr, il y en a d'autres, hein, Claire Fontaine, etc. On a un certain nombre d'intervenants qui interviennent pour mettre un peu de professionnalisme dans la formation. Quoi. Je rajouterai juste, c'est un ancien de l'UIT de Saint-Dié aussi. Oui, aussi. Oui. Également. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'interactivité entre vous. Tous les deux, donc une relation de confiance. Vos projets futurs ?
Alors les projets futurs à l'UT, c'est des projets donc on a en ce moment, on est dans une phase de modernisation un peu d'électrotechnique, parce qu'on était sur des bases même assez anciennes pour tout ce qui était électrotechnique. Donc on investit dans un système à l'heure actuelle qui nous permettra de piloter avec des variateurs, des moteurs, différents types de technologies de moteurs sur lesquels il y aura des charges actives. Donc ça, c'est même une problématique dans l'industrie qui est tout de même importante, hein, de savoir commander les différents types de moteurs avec des solutions modernes. Ensuite, on a un projet d'équipement aussi en cobotique, hein, pour étoffer un peu notre parc de robotique. Voilà. Très bien. Donc, on voit que ce partenariat vous permet aussi d'envisager le futur et de modifier, de moderniser vos parcs. C'était le sujet qu'on avait juste avant. Et là, on le voit qu'il est mis en action. Très bien. On va finir sur trois points clés, finalement, que vous mentionneriez pour mettre en place un partenariat efficace. On a des personnes, peut-être, de l'autre côté, qui se demandent comment est-ce qu'on peut bâtir une relation de confiance et un partenariat efficace. Qu'est-ce que vous diriez, finalement, tous les deux ? Moi, je dirais, disons, sous la forme de trois mots, confiance, proximité et, effectivement, un engagement dans la durée. Donc, ça fait, effectivement, déjà 16 ans qu'on est partenaire, voilà. Et donc, on ne demande plus qu'à continuer ensemble. Du côté du département, de l'UT, c'est déjà d'être à l'écoute des industriels, hein, parce que finalement, ils ont des besoins, des exigences, et finalement, il faut essayer de rendre, de mettre que nos étudiants soient le plus opérationnels possible lorsqu'ils sont diplômés. Ensuite, c'est faire évoluer les enseignements, donc les enseignements et les équipements industriels, histoire d'être à la page aussi de ce qui est nécessaire pour les entreprises. Entretenir des relations, ça a déjà été dit, hein, mais pour que ça soit gagnant-gagnant pour les partenaires, hein, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve un peu dans les échanges. Voilà, autrement, le partenariat a été tout de même pas mal favorisé par les relations qu'on entretient avec Siemens Education depuis pas mal d'années maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai que vous êtes assez proche des équipes Siemens en local. Alors moi, je suis aujourd'hui représentante de la branche éducation, enseignement, mais vous êtes suivie au quotidien par des équipes qui vous apportent le soutien et puis aussi la technologie. N'hésitez pas, vous qui vous nous regardez, à vous rapprocher de nous et puis on vous mettra en contact avec des personnes en local pour vous apporter tout le savoir en fait et les connaissances sur nos équipements. Écoutez, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaitez dire aujourd'hui à notre public? Disons, mais merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Et effectivement, qu'on a pu présenter notre partenariat et que ça continue dans ce sens-là. Et ben, j'aurais à peu près les mêmes remarques pour en conclusion. Je pense que tout est dit. Bah écoutez, moi aussi, je vous remercie. Vraiment un grand merci à vous deux de vous être déplacés, d'avoir bien voulu partager votre expérience. Je pense que c'est toujours très intéressant que d'avoir ce type de témoignage directement en direct. Merci beaucoup à vous deux. Écoutez, on arrive au terme de notre présentation de cette première édition de Siemens Education Day. Et je vais maintenant appeler l'IS à me rejoindre sur le plateau. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive au terme de cette demi-journée. Une demi-journée, riche, enrichissante, on espère aussi, passionnante aussi par les débats qu'on a pu avoir, les tables rondes, les témoignages et puis les différents chiffres macro que vous avez pu obtenir. On est vraiment ravis d'avoir pu faire cette matinée avec vous. Vous avez eu l'occasion de discuter un peu sur Slido, de poser des questions et puis de répondre aussi à notre questionnaire qu'on avait mis en place. Et je propose de le voir ensemble, l'IS. Tu es arrivé avec ton PC, bien armé, ton micro. Je te laisse la parole. Tout à fait. Bah, du coup, on va voir les réponses que vous avez fournies pour le Slido. On va voir cela ensemble. Je vais enclencher donc les différents sondages qu'on a fait avec l'ensemble de vos réponses qui ont été fournies.
Alors, tout se fait en direct. Hein. Le live. parfait. Voilà, donc on va avoir les réponses du coup de votre journée ce matin. On vous a bien demandé la réponse. On a analysé les réponses bien plus tard. On voit que globalement, vous allez bien. Certains ont la pêche, mais personne en tout cas s'est levé du pied gauche. Donc c'est plutôt rassurant. On va voir donc ensuite les différents points sur ce que vous avez pensé de nos différentes interventions. Sur les enjeux de l'industrie. Tout à fait. Alors on est en live. On est là. Voilà, ça y est. On est là pour faire le spectacle. Donc là, on peut voir donc les différentes statistiques sur est-ce que cette keynote vous a vraiment apporté de nouvelles informations ou si vous étiez déjà au fait de l'ensemble des informations qui ont été apportées. Vous pouvez toujours voter en live. Hein. Je vois que ça c'est ce que vous êtes en train de faire et vous avez bien raison. Donc n'hésitez pas à continuer de voter. Donc on voit que dans la globalité, beaucoup de nouvelles informations ont été ajoutées, donc c'est plutôt positif, puisque c'est le but un peu de cet événement, n'est-ce pas, Anne ? Effectivement, oui. Donc, on vous a également proposé, si vous souhaitiez avoir plus d'informations sur ce thème, on voit que dans la globalité, vous êtes en attente de plus d'informations. On a une partie qui en a déjà assez, apparemment. On va réfléchir donc à essayer de vous fournir un peu plus de matière dans les prochaines semaines, mois. Voilà. Et nous allons voir quels mots-clés avez-vous retenu de cette présentation. Donc on voit développement, compétition, schéma, emploi, jeunesse, embauche, digital. Bah, globalement, on est dans le thème de l'événement, Anne. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah effectivement, oui. Résilience, c'est un mot qui apparaît, c'est intéressant. Effectivement, je pense qu'on a été résilient. En tout cas, l'industrie a été résiliente pendant cette phase Covid et on a su s'adapter. Et ça, c'est très fort. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez su vous adapter puisque je vous avoue qu'il y a deux ans auparavant, je ne sais pas si on aurait pu tenir ce type d'événement en digital. Et finalement, là, on y arrive et on est vraiment très content de pouvoir le faire sous ce format-là. Vraiment très, très ravis. On va passer maintenant à notre seconde présentation sur Siemens, un acteur incontournable et engagé. Donc, qu'avez-vous pensé de cette présentation ? Alors, vous pouvez toujours voter en direct, bien évidemment. Donc, les cinq, pardon. Donc, globalement, bah, pareil, vous avez encore de nouvelles informations qui ont été apprises sur Siemens. Après, même si, bien évidemment, on est comme sur une entreprise très large. Très importante. Et assez connue, je pense, hein, que vous connaissiez déjà un petit peu Siemens. On va passer au deuxième point. Si vous connaissiez par contre l'ensemble des domaines d'activité. Et voilà. Et finalement, tu vois, que partiellement. Et c'est ça, on ne connaît pas tant que ça Siemens au final. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent l'image de Siemens électroménager, mais en fait, non, plus du tout. On ne fait plus du tout ça. Et c'est important de le savoir et de communiquer sur la marque, sur tous les aspects. Vous avez vu Johan qui parle de software. Il faut savoir qu'on est quasiment parmi les top 3 des plus importants éditeurs de solutions logicielles. Ça non plus, on ne le sait pas forcément, mais on a fait tellement de rachats qu'aujourd'hui, on est dans les top 3. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, vous l'avez vu avec Gilles, Siemens Energy, Siemens Industrie, Siemens Smart Infrastructure. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, pour le coup, siemens.fr, pour en découvrir un peu plus. Alors, il est touffu, on est d'accord, mais bon, il faut bien qu'on puisse présenter toutes nos activités. Pour aller un petit peu plus loin dans la réponse précédente, où on voudrait savoir bah, qu'est-ce que vous connaissez un peu plus sur l'activité de Siemens. Et est-ce que vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires à ce sujet ? Donc, on est sur du pourquoi pas et du oui. Donc on vous fournira un ensemble d'informations suite au Slido. On est dans les conditions du live, je le rappelle. En ce qui concerne la table ronde, l'industrie se transforme. Alors n'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à voter en direct.
De manière générale, on a des bons retours sur cette présentation avec, je suppose, des informations clés et des nouveautés qui intéressent le monde de l'enseignement. Qu'en penses-tu, Anne ? Bah oui, écoute, moi je suis plutôt satisfaite des résultats. Je pense qu'on a essayé, l'objectif était assez élevé. On a toujours présenté Siemens Education Day comme un événement ambitieux, mais je pense qu'il est à la hauteur et j'espère en tout cas que, enfin là, on voit que vous avez trouvé des informations pertinentes. Eh bien, ça, c'est une super nouvelle. On est vraiment très contents que vous pensiez modifier ou adapter votre pédagogie. C'est vraiment très intéressant de savoir ça. Ça nous conforte aussi dans le fait qu'on a bien fait de créer cet événement-là et de vous réunir et de nous réunir autour de cet événement parce qu'on a besoin d'avoir votre retour sur cet aspect-là. Donc, un grand merci en tout cas. On va maintenant passer donc sur la présentation de l'usine connectée et des nouvelles technologies. Alors là, un grand oui. Super. Laurent a fait carton plein. Donc, félicitations à lui. Et c'est super parce que effectivement, je pense que souvent, on a un peu une vision qui n'est pas forcément... complète de ce que c'est que les nouvelles technologies dans l'usine. Et là, merci donc à Laurent d'avoir bien illustré chacun des cas d'usage et des nouvelles technologies. On va passer maintenant donc à l'offre Siemens Enseignement. Et donc, on a les retours de votre de notre présentation. Ce n'est pas la vôtre, c'est la nôtre. Et on a des retours également plutôt positifs. C'est vrai que je pense que dans le monde de Siemens, l'offre enseignement, ce n'est pas forcément la plus connue et donc qui gagne à se faire connaître. Donc on est content du retour que vous nous apportez à cette présentation. Et donc la question suivante, elle est un petit peu dans le sens de ma phrase précédente. Donc est-ce que vous saviez que Siemens proposait une offre complète à disposition de l'enseignement ? Donc on a une majorité hein, de partiellement. Donc je pense que ça se sait un petit peu dans le monde de l'enseignement et les différentes écoles. Mais on n'a pas forcément peut-être connaissance de l'ensemble de l'offre qu'on propose, que ce soit au niveau du matériel ou même au niveau software. Donc, c'est aussi le but du Siemens Education Day de faire connaître cette offre. Bon, là, au moins, 50-50. Eh bien, écoutez, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous poser des questions. Donc, réagissez sur le Slido. Et on termine avec notre dernière présentation, renforcer les liens école-entreprise. Donc, on voit que vous êtes plutôt, vous avez été plutôt intéressé par ce témoignage. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des visions de l'intérieur et puis de voir que ça fonctionne et que vous pouvez vous aussi mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, ce genre de lien qui permet de renforcer école-entreprise. Est-ce que ce témoignage vous incite-t-il à justement faire un partenariat de ce type ? Donc on voit que là, on a une majorité, Anne, entre oui et c'est une idée à creuser. Donc on a pu faire écho à ces partenariats école-entreprise qui sont, je pense, très intéressants pour le développement de l'enseignement et de la professionnalisation des élèves surtout. Eh bien, écoutez, voilà pour le Slido. On va maintenant... On a 2-3 minutes pour les messages essentiels et donc les messages en quelques mots finalement de cette première partie de journée. Eh bien, on a une dynamique de relance forte. On a des technologies qui transforment l'usine et qui le transforment d'un côté et qui sont accessibles pour vous en tant que formateur et d'enseignant. On a des outils pour renforcer les liens entre enseignants et industriels. Alors, on a vu des partenariats, on a vu les World Skills, on a vu les différents sujets qui peuvent rapprocher.
On a aussi des diplômes qui évoluent pour mieux s'adapter aux besoins. Et ça, c'est important de montrer que l'éducation nationale, vous, aux universités, vous mettez aussi en œuvre de nouveaux sujets et des toilettages réguliers, des rénovations de diplômes pour coller au mieux aux tendances. Et donc ça, c'est vraiment important pour les industriels. Et puis aujourd'hui, on a aussi des sources de financement importantes avec le plan France Relance et les autres actions qui sont mises en œuvre. Et donc finalement, pour clôturer, on va juste dire que tous les ingrédients sont là, en fait. On a tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut, l'industrie a tout ce qu'il faut pour donner accès aux dernières technologies aux jeunes, pour attirer le plus grand nombre de talents, et puis finalement pour réenchanter l'industrie, pour arrêter de penser que l'industrie c'est sale, c'est pas propre, c'est tout ça. On l'a dit pendant toute cette période, cette première période, l'industrie, ça a de l'avenir, l'industrie... on fait des choses exceptionnelles dedans. Moi, personnellement, je n'ai pas de l'industrie et j'ai découvert un monde absolument incroyable. Et franchement, on peut s'épanouir, on peut développer des compétences et on va apprendre tous les jours. Et ça, c'est vraiment les messages qu'il faut faire passer à nos jeunes, aux jeunes que vous allez rencontrer. Et j'imagine que vous le faites déjà à la sortie du lycée, même en amont, aller voir les collégiens, aller voir les parents et leur expliquer que oui, l'industrie, ça, c'est beau. Oui, l'industrie, ça peut faire rêver et qu'on puisse être fiers, nous, en France, d'avoir un pays fier de son industrie, réindustrialiser, éviter d'être dans des situations comme on a pu le vivre au moment du Covid. C'est ça l'industrie aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on puisse à nouveau se tenir droit face à tous les autres secteurs d'activité et dire oui, nous on produit français et on est fiers ici d'être là dans la même filière. Voilà. Donc je vais terminer maintenant, vous dire... à tous qui avaient suivi cet événement, un grand, grand merci. Ça a été une joie, un plaisir aussi de faire cet événement avec tout le monde. J'en ai même, désolée, les larmes aux yeux. On reprend. Effectivement, oui, c'était un plaisir, Anne, de créer cet événement. On est parti de rien et on a vraiment tout mis en œuvre pour essayer de joindre au mieux les deux univers de l'industrie, le monde professionnel et le monde académique. Et on espère que le résultat, ça vous aura plu et que l'objectif, c'est que le Siemens Education Day devienne une institution, le petit rendez-vous annuel du monde de l'industrie et de l'académie. Merci, Liès, d'avoir repris. Trop d'émotion. Merci vraiment. Merci à tous. Merci à toutes les équipes et à tous les intervenants qui ont participé. On était 11 sur le plateau à défiler ou en Teams. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir. Merci Liès pour ta participation, pour ton animation, pour tout ce que tu as pu réaliser. Merci Mathieu aussi pour tout ce qui a été derrière, parce que je vous avoue qu'il y en a eu de la préparation derrière. Merci à la régie, merci à tous et très bonne fin de journée, puisqu'on a aussi les ateliers techniques, nos partenaires, nos équipes aussi animent. N'oubliez pas, à partir de 14h, 14h05, de vous connecter. Et là, vous allez avoir toute une après-midi où vous allez pouvoir parler technologie, nouvelles solutions techniques. Ils se sont démenés eux aussi pour vous apporter le meilleur. Donc, faites leur honneur et soyez présents à partir de 14h. On vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure pour la suite. Merci beaucoup.